Bonsoir à tous, bienvenue au Centre Pompidou et à la BPI. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour une rencontre organisée par le service savoir pratique de la BPI. La rencontre végétarisme, végétalisme, véganisme, quelle différence ? Aujourd'hui, de plus en plus dans la société, le véganisme est partout, que ce soit dans les restaurants, les salons, les festivals, dans les cosmétiques, l'alimentaire, ou même l'habillement. Mais que recouvre-t-il exactement ? Quelles sont les différences avec le végétalisme et le végétarisme ? S'agit-il d'un simple effet de mode ou bien d'un mouvement social plus profond qui vient repenser le lien avec les animaux, la nature ? Pour en débattre et en discuter ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Ophélie Véron, chercheuse en sciences sociales à l'Université de Sheffield, et auteur du livre Planète Vegan et du blog Antigone 21 que vous connaissez peut-être. Sachez que la conférence de ce soir est filmée et sera retransmise, sera présente sur la Web TV de la BPI d'ici quelques semaines. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Bonsoir. Peut-être avant de commencer, j'aimerais savoir s'il y a des personnes parmi vous qui sont végétariennes, végétaliennes ou véganes. Si vous pouvez lever la main. Ouh là, ça fait beaucoup. Juste végane maintenant alors ? Ok. Très bien. J'imagine, si vous êtes végétarien, végétarienne ou végane, que vous n'êtes sûrement pas né ainsi. Il est de moins en moins, je dirais, rare de naître dans une famille végétarienne ou végane, mais ce n'est pas quand même encore la norme. Et dans mon cas, il faut savoir que j'ai grandi vraiment dans une famille française normale, à savoir, je mangeais de la viande à chaque repas ou presque. J'adorais vraiment le fromage. Et l'idée même de devenir végétarienne ou végane ne m'avait jamais effleuré l'esprit avant d'arriver à l'âge à peu près de 25 ans. Je ne connaissais par ailleurs aucune personne végétarienne dans mon entourage. Et la première fois en fait, où j'ai entendu parler du concept même de végétalisme ou de véganisme, le concept en fait n'avait même pas le mot n'avait pas été dit, mais c'était lorsque j'étais adolescente. Mon père était parti en conférence et il avait rencontré un collègue indien végétalien. Et il était revenu en me disant voilà, j'ai rencontré cette personne et je lui dis mais enfin pour moi c'était inconcevable de ne pas manger de produits animaux ou de viande. Et je lui demandais mais alors qu'est-ce qu'il mangeait ? Il m'a dit il mangeait rien, pas de viande, pas de poisson, pas d'œuf, pas de lait, rien. Et je lui dis mais alors il était comment ? Il m'a dit, il était tout maigre et très pâle. Donc ça, c'était vraiment ma première rencontre, je dirais, avec cet univers. Et j'en étais restée là, j'étais adolescente, ça n'avait pas spécialement, je dirais, suscité d'interrogations chez moi, même si je m'interrogeais de temps à autre sur les animaux. Mais l'attrait du saucisson était vraiment beaucoup plus fort. Et je m'étais dit, surtout, ils sont fous, c'est végétalien. Je ne m'étais pas du tout questionnée sur le comment et le pourquoi de la chose. Et cette anecdote en était restée là. Et cette anecdote, je dirais qu'elle ne dit pas grand-chose au demeurant, si ce n'est véritablement la force des préjugés qui peuvent entourer ce mode de vie et ce mouvement social et politique. Et peut-être avant de vraiment d'entrer dans le bain de cette conférence, j'aimerais vous demander quels sont, selon vous, les préjugés les plus courants, soit sur le végétarisme ou le véganisme, soit sur les animaux eux-mêmes, si vous voulez un petit peu répondre. Les animaux sont faits pour être mangés. On risque des carences. Les carences. Les protéines. Les protéines. Sacro-saintes protéines. D'autres préjugés ? Ou objections ? J'aime trop le fromage. Oui, ça, c'est un préjugé très courant. Mais c'est plus une excuse, ça. Oui ? L'excès de sensiblerie, même, on parlerait de ça. J'aimerais aujourd'hui un petit peu, justement, revenir sur ces préconceptions, sur ces préjugés, et à la fois les déconstruire et comprendre pourquoi, en fait, il s'agit simplement de penser les choses autrement, il s'agit simplement d'un changement de normes et de paradigmes. Donc, avant tout, peut-être un petit exercice d'abord pour comprendre un petit peu sur quoi se fonde le véganisme. J'aimerais vous fermiez les yeux
et que pendant 10 secondes, il y a encore des yeux ouverts, fermez tous les yeux, pendant 10 secondes, j'aimerais que vous pensiez un animal que vous connaissez. Ça peut être votre chien, ça peut être votre chat, un lapin, poisson. Et si vous n'en avez pas, pensez à un autre animal. Imaginez-vous véritablement en train de le caresser, en train de le câliner et le regarder véritablement avec tout votre amour. Dix secondes sont écoulées et pendant ces 10 secondes, il faut savoir que 20 000 animaux, comme celui que vous venez de caresser, ont été mis à mort. Ils ont été tués pour être mangés par les êtres humains. Donc, 20 000 animaux, c'est 2 000 animaux par seconde, c'est 120 000 animaux par minute, et ça fait 60 milliards d'animaux par an. Et je parle ici seulement des animaux terrestres, je ne parle pas des animaux marins, sur lesquels je reviendrai plus tard. Et ces chiffres, quand on imagine 60 milliards d'animaux, c'est vraiment des statistiques très larges, et mis bout à bout, on a du mal véritablement à se représenter ce que cela peut bien signifier. Et pris séparément, pourtant, ces 60 milliards d'animaux qu'on tue chaque année, c'est l'animal que vous venez de prendre dans votre bras, c'est celui que vous venez de caresser, c'est l'animal qui aime aboyer, miauler, qui aime votre compagnie, qui pépit peut-être, qui remue la queue quand vous l'approchez, et c'est celui qui vous aime inconditionnellement. Sauf que la différence, c'est que j'imagine que vous êtes beaucoup à vous être imaginé des animaux domestiques comme le chat ou le chien. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup parmi vous qui se sont imaginés en train de caresser un cochon ou de rouler dans la boue avec lui ou de se frotter à une vache. Et ce que pose vraiment comme question cet exercice mental, c'est pourquoi est-ce qu'on va caresser, aimer le chien et pourquoi, en revanche, on va manger le cochon. Et c'est là que entre en jeu, le spécisme. Donc, qu'est-ce que c'est le spécisme? C'est le fait, en fait, d'assigner des valeurs ou des droits particuliers à des êtres vivants sur la seule base de leur appartenance à une espèce. Donc concrètement, c'est quand on va juger que la vie d'un chien a plus d'importance et plus digne d'intérêt que celle d'un cochon. Et ce terme de spécisme désigne aussi le traitement discriminatoire qui va en découler. Donc par exemple, quand on va exploiter, maltraiter, tuer le cochon, mais au contraire que le chien va être considéré presque comme un animal, un membre à part entière de votre famille. En d'autres termes, il s'agit d'une discrimination fondée sur un critère arbitraire, parce qu'il n'y a rien qui distingue spécifiquement le cochon du chien et qui va éclairer nos choix. On peut voir ici ça avec ce petit dessin. On est dans une boucherie. Si on voyait qu'on nous proposait de la viande de chien, on pousserait des cris, tandis que s'il s'agit de la viande de bœuf, ça ne pose aucun problème. L'antispécisme, en revanche, ça va être le mouvement ou l'idée plutôt selon laquelle l'espèce n'est pas un critère de considération morale pertinente. C'est par exemple quand j'estime qu'on ne doit pas maltraiter une personne, qu'elle soit humaine ou animale, sous prétexte qu'elle appartient ou qu'elle n'appartient pas à telle ou telle espèce. Donc, ces notions sont extrêmement importantes, je dirais même plus, elles sont centrales, souvent, dans les questions d'éthique animale. Et si toutes les personnes végétariennes ou véganes ne sont pas antispécistes, c'est souvent un critère déterminant qui va motiver leur action. Ensuite, concrètement, pour revenir très brièvement, une personne, et pour distinguer un petit peu les choses, une personne végétarienne, c'est une personne qui mange de tout sauf de la chair animale, à savoir de la viande, du poisson, des crustacés, etc. Et une personne végétalienne, c'est une personne qui mange de tout sauf de la chair animale et des produits alimentaires issus des animaux, donc les produits laitiers, les œufs et le miel. Le végétarisme, donc, ça va être ce mouvement d'abord. Je vais un peu expliquer les choses progressivement aujourd'hui en expliquant d'abord ce qu'est le végétarisme, puis le végétalisme, puis le véganisme. Bien que personnellement, je parle très souvent davantage de véganisme. Qu'est-ce que ça représente vraiment? L'idée ici du végétarisme, c'est donc de boycotter la viande. Il s'agit d'un boycott et de refuser de tuer des animaux pour le nourrir, pour se nourrir. Donc, une des objections. J'adore les dessins d'Insolent Veggie, je ne sais pas si vous connaissez, mais du coup j'en ai mis plein dans cette présentation parce qu'ils me font toujours énormément rire. Une des objections, que l'on entend souvent, c'est l'idée que les animaux se mangent entre eux. Et donc si le lion mange
la gazelle, si c'est dans l'ordre des choses, dans l'ordre de la nature, cela ne devrait pas poser de problème après tout. Alors, j'aimerais d'abord répondre peut-être deux choses à ceci. D'une part, il y a énormément de choses que les animaux font qui sont tout à fait naturelles, entre guillemets, que nous ne ferions pas le moins du monde. Par exemple, les lapins vont manger leurs propres crottes. Les lions qui mangent les gazelles, ils vont aussi manger et tuer les lionceaux des autres hordes quand ils vont prendre le contrôle d'une nouvelle horde. Et étrangement, on se rend compte que, mis à part l'alimentation, il y a soudain beaucoup moins de gens pour fonder des règles morales à partir de la nature. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, le comportement des animaux ne doit pas être pris pour modèle, pour justification morale, plutôt, je dirais, de nos propres actes. Et la seconde différence fondamentale, c'est que, tout simplement, les animaux qui mangent d'autres animaux pour survivre n'ont pas le choix, tandis que nous, êtres humains, nous avons le choix. Nous avons le privilège de pouvoir réfléchir à nos actions et d'avoir une alimentation qui, à l'heure actuelle, ne fait pas souffrir d'être sensible. Donc, par ailleurs, je dirais que plus largement, utiliser la notion de nature pour fonder quelque chose, et on va revenir là-dessus après, c'est toujours assez risqué. Et c'est d'ailleurs très souvent un concept qui est utilisé par les idéologies racistes, sexistes, suprémacistes ou autres pour justifier un ordre inégalitaire. Deuxième question, ou deuxième objection plutôt, qu'on entend souvent, c'est « mais tout le monde mange de la viande, et donc il est normal de faire ainsi ». Et là, j'ai un peu toujours envie de répondre, c'est l'argument du majoritaire, si tout le monde se jette par la fenêtre, est-ce que tu vas aussi te jeter par la fenêtre ? Je n'espère pas. Qu'est-ce que cela traduit ici ? C'est l'idée, tout simplement, que les normes sociales ne sont pas innées. Ce sont des constructions sociales, autrement dit, un ensemble de règles qui a été créé, entretenu et imposé à une population. La plupart des gens qui mangent de la viande, et c'était le cas pour moi quand j'étais plus jeune, ils ne se rendent pas compte, on ne se rend pas compte qu'il s'agit de normes particulières, et qu'il s'agit vraiment d'une construction arbitraire. Il n'y a rien qui justifie ici que je pourrais manger de la viande ou ne pas en manger, manger telle ou telle viande ou ne pas manger telle ou telle viande. Et les normes, on le voit bien, varient beaucoup d'un pays ou d'une culture à l'autre. Dans certaines sociétés, tuer les animaux pour manger leur chair est proscrit. Ça n'a rien de normal. Ensuite, par rapport aux animaux eux-mêmes, en Europe, l'exemple classique, c'est qu'on mange des vaches et des cochons, mais il ne nous viendrait vraiment pas à l'esprit de manger du chien ou du chat. Tandis que dans l'islam, par exemple, la viande de cochon est interdite. En Inde, la vache est un animal sacré. Et plusieurs pays d'Asie ne voient, a priori, pas de problème à manger de la viande de chat ou de chien. Et rien, pourtant, ne justifie ces pratiques différentes. Il s'agit simplement de normes sociales différentes. Et quand on parle de normes ou de perceptions majoritaires, pendant très longtemps, à titre d'exemple, l'esclavage était considéré comme une pratique tout à fait normal et justifié dans énormément de régions dans le monde. Et il a fallu vraiment des siècles pour qu'on change de regard, vraiment pour que notre perspective évolue là-dessus. Donc ce n'est pas parce qu'il y a une majorité de personnes qui fait quelque chose que cette chose est bonne. Une autre objection, c'est les animaux sont inférieurs à nous, donc on peut les manger. Il faut savoir qu'au fil des siècles, l'être humain a toujours cherché à se distinguer des animaux. Il a cherché à s'en distinguer par plusieurs critères. Ça pouvait être par la raison, par le langage, par la culture, par la conscience. Tout un tas, en fait, de critères dont les animaux seraient dépourvus. La science a évolué là-dessus et on voit maintenant qu'il y a une conscience animale, qu'il y a des langages animaux, qu'il y a des cultures animales, etc. Mais malgré cela, la question qui peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on irait prendre finalement des qualités intellectuelles, comme le langage ou la raison ou la culture, comme critères de considération morale ? Si on doit faire une comparaison, un bébé est moins intelligent qu'une personne adulte, et pourtant, à l'heure actuelle, on ne juge pas qu'il faille le maltraiter ou le manger, parce que ce bébé, en fait, il éprouve de la douleur et il a des intérêts à vivre une vie satisfaisante qui ne doit pas être écourtée artificiellement. Donc la question fondamentale, je dirais ici, c'est ne pas savoir si les animaux pensent, s'ils parlent, s'ils lisent pour ne pas les maltraiter, c'est tout simplement de savoir s'ils souffrent. C'est donc la sensibilité
des animaux, qu'on appelle également sentience, qui doit être prise en compte pour justifier notre comportement à leur égard. Or, de très nombreuses études à l'heure actuelle montrent que les animaux, que l'immense majorité des animaux, éprouvent de la douleur, sont capables de ressentir des souffrances. Donc, ces quelques objections étant posées, j'aimerais revenir peut-être un tout petit peu sur les chiffres de la consommation d'animaux, pour savoir un peu de quoi on parle. Donc, on l'a vu, à l'heure actuelle dans le monde, 60 milliards d'animaux terrestres meurent chaque année pour nous nourrir. Il faut savoir que cette consommation n'a pas toujours été équivalente à cela. La consommation de viande a été multipliée par 5 entre 1950 et 2000, donc seulement en l'espace de 50 ans, et que cette croissance continue à un rythme extrêmement soutenu. Et que selon les projections de la FAO, la production de viande et la production de produits laitiers devra doubler d'ici à 2050 pour pouvoir subvenir aux besoins des êtres humains. Il faut savoir que en moyenne, on a pas de chiffres hyper récents, mais en 2002, pour toute la planète, chaque habitant consommait 40 kilos à peu près de viande en moyenne par an. Dans les pays développés, c'est plutôt 80 kilos. En France, c'est 90 kilos. 90 kilos, ça veut dire qu'une personne française qui mange 90 kilos de viande par an et par habitant, c'est deux fois plus qu'en mangeaient ses grands-parents, c'est trois fois plus qu'en mangeaient ses arrière-grands-parents. Donc on voit vraiment qu'il y a une augmentation massive de la consommation d'animaux et de produits animaux. Et dans le même sens, on assiste vraiment à une intensification de l'élevage, puisque un cochon qui auparavant partait dans les années 70 à l'abattoir pesait environ 67 kilos. À l'heure actuelle, on est de l'ordre plutôt de 100 kilos. Donc on a vraiment une augmentation massive. Pourquoi est-ce que cela pose problème? Ça ne pose pas seulement problème en termes d'éthique, mais ça pose aussi des problèmes environnementaux extrêmement importants. Selon la FAO, l'élevage est responsable d'à peu près 15% des émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine. Autrement dit, vous avez sûrement déjà vu ce chiffre et cette idée, l'élevage est le premier responsable des émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine, devant même le secteur des transports. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'élevage, c'est du méthane. Donc, on parle beaucoup des pets des vaches, mais en fait, c'est les rots des vaches, qui impactent énormément l'effet de serre. C'est du CO2, qui est dû majoritairement au changement d'utilisation des terres, la déforestation. C'est de l'azote. Et enfin, c'est de l'ammoniac, qui est responsable des pluies acides. On ne doit pas ici seulement, d'ailleurs, mesurer l'impact de l'élevage sur l'environnement en termes de gaz à effet de serre, mais on peut vraiment mesurer d'autres conséquences écologiques et sociales très importantes. À premier titre, l'eau. À l'heure actuelle, l'agriculture utilise 80% des réserves d'eau potable de la planète, dont l'immense majorité est investie, que ce soit directement ou indirectement, dans l'élevage. Il faut en moyenne 15 500 litres d'eau pour produire 1 kg de bœuf, tandis qu'il en faut environ seulement 2 700 pour produire 1 kg de soja. Donc on a vraiment ici un énorme gaspillage. Il faut toujours avoir en tête, je dirais, qu'il y a plus d'un milliard de personnes sur Terre qui n'ont pas accès à l'eau potable. D'autre part, l'élevage, c'est des pesticides. On est à peu près à 30% de la pollution globale par pesticides qui est due à l'élevage. Et c'est une des causes majeures, véritablement, de la détérioration de la faune et de la flore mondiale. Et enfin, c'est quelque chose qu'on prend moins souvent en compte. On a aussi tous les déchets agroalimentaires de l'élevage qui sont soit transformés en farines animales. Donc la loi a un petit peu changé là-dessus. Donc maintenant, je crois qu'on peut le donner à manger en pisciculture. Mais il n'en demeure pas moins qu'une partie de ces déchets, une partie de ces farines, sont simplement incinérées. Et donc, cela génère énormément de pollution atmosphérique. Donc, à cela s'ajoute une dernière chose, c'est que l'élevage n'est pas vraiment rentable. Il faut savoir que la viande et les produits laitiers représentent à peu près la moitié des émissions de gaz à effet de serre produites par l'alimentation, mais seulement moins même de 20% des calories consommées par les humains sur la planète. Le reste, c'est des végétaux. Alors,
Quelque chose qu'on entend souvent, c'est bien beau ça, mais c'est parce que c'est de l'agriculture intensive. Qu'est-ce qu'il en est si on consomme de la viande de petits éleveurs bio? Encore un super dessin d'un Solange Veggie sur la mort bio. Dès qu'on parle de viande, c'est assez intéressant. Tout le monde subitement, enfin, en tout cas j'ai cette impression, ne consomme plus que de la viande de petits animaux, enfin, pardon, d'animaux pardon, élevés dans des petits élevages et où ils ont été élevés humainement. Donc d'abord, il faut savoir que sur un plan éthique, 80% des animaux en France sont élevés en bâtiments fermés, en cage ou sur des caillebotis, sans jamais voir la lumière du jour. Donc si tout le monde ne mange que de la viande de petits éleveurs, je ne sais pas d'où ces 80% où partent ces 80% d'animaux. Et puis, je dirais éthiquement que les animaux vivent leur vie dans la lumière ou dans des cages. À la fin, ils sont toujours tués. Dès que leur corps est mature, c'est-à-dire dès que la viande est la meilleure, dès qu'ils ont un très bon rendement de laine, et dès que ce rendement est en baisse, ils partent à l'abattoir. Et à quel âge ils partent à l'abattoir? En général, ils partent extrêmement tôt à l'abattoir. Donc, par exemple, pour des poulets qu'on élève pour leur viande, ils partent à 6 semaines à l'abattoir, donc un mois et demi, même pas. Alors que dans la nature, ils auraient une espérance de vie d'entre 8 à 10 ans. Les cochons partent au bout de 6 mois, alors qu'ils ont une espérance de vie de 15 ans. Les poules pondeuses, on est entre 12 et 16 mois, donc un an et demi maximum, alors que pareil, elles pourraient vivre 8 à 10 ans. Les vaches laitières sont tuées au bout de l'âge de 5 ans, alors qu'elles pourraient vivre 20 ans. Et les veaux sont envoyés à l'abattoir entre 3 et 8 mois, alors qu'ils ont aussi une espérance de vie de 20 ans. Donc concrètement, on mange des très jeunes animaux, mangent des bébés animaux. Et certes, les conditions dans les petits élevages, les conditions d'élevage sont peut-être meilleures, mais si on tue les animaux au bout de quelques mois seulement, personnellement, j'ai du mal à voir la différence. En tout cas, si on comparait ceci avec l'espèce humaine, dans un tribunal, si on torturait quelqu'un et ensuite on le mettait à mort, on aboutirait à une certaine peine de prison. Si on ne torturait pas cette personne et qu'il avait une super vie avant de mourir à l'âge de 8 ans ou 9 ans pour un enfant, on ne considérerait pas cela comme des circonstances atténuantes. Donc je dirais que toutes ces allégations de viande heureuse, elles servent tout au plus à donner bonne conscience aux personnes qui mangent encore de la viande. Et d'autre part, sur un plan écologique, l'élevage extensif n'est pas une solution. Pourquoi ? Parce que les pâturages mobilisent énormément de terres, et c'est autant de forêts qui sont déboisées ou qui pourraient exister. C'est beaucoup de sols dégradés. Les prairies, il faut savoir qu'elles stockent 4 fois moins de carbone que les forêts, et que les émissions de méthane des bovins, plus ils vont manger d'herbe, plus ils vont émettre de méthane. Et c'est ce à quoi on aboutit, c'est qu'en fait, les élevages extensifs émettent bien davantage de gaz à effet de serre que les élevages intensifs. Et qu'on est sur une proportion à peu près de 70% contre 30% des émissions de gaz à effet de serre par l'élevage. Donc on est vraiment loin ici d'être dans la solution présentée comme miracle écologique et tout par les petits éleveurs. Et quand on regarde ce tableau, on voit bien que même en bio, si on compare un repas avec de la viande et des produits laitiers, on a une dépense énergétique qui est extrêmement supérieure à un repas sans viande et sans produits laitiers, même non bio, non conventionnel. Et il n'y a pas ces chiffres-là, mais il y a des études qui montrent aussi que manger local, que par exemple une personne végétalienne qui va aller manger de l'huile de coco, des avocats, etc., des trucs qui viennent vraiment de l'autre bout de la planète, il va émettre tout de même moins de gaz à effet de serre qu'une personne alimentation, qu'une personne qui va manger entièrement saisonnier, local, mais qui va manger des produits d'origine animale. Donc si vous vous souciez de l'environnement, c'est un argument de taille. Alors, il y a une chose qu'on fait souvent, moi-même j'ai commencé par ça, c'est quand on décide de diminuer ou d'arrêter sa consommation de viande, on se reporte sur le poisson. Moi-même j'ai été ce qu'on peut dire pesco-végétarienne ou pesco-presque végétalienne parce que je mangeais beaucoup moins de produits laitiers pendant une année à peu près. C'était aussi plus facile, par exemple quand j'ai annoncé à mes parents que je mangeais plus de viande,
Et ben, ils m'ont servi du poisson ou des crevettes ou autre à chaque repas. Donc, ça a duré quelques mois et j'aurais dit à un moment, stop, je ne peux pas continuer comme ça. Pourquoi ? Parce que la consommation de poisson, du coup, est en hausse partout dans le monde. Chaque seconde, c'est 4200 kilos de poisson qui sont consommés dans le monde. C'est deux fois plus, à titre d'exemple, que la viande de bœuf. Et à l'heure actuelle, c'est difficile d'avoir des estimations parce qu'au niveau des poissons, on ne compte pas en nombre d'individus, mais on compte en termes de kilos ou de poids. On estime qu'environ 1000 milliards d'animaux marins et de poissons sont tués chaque année dans le monde. Et le pire, c'est qu'en fait, tous ces animaux ne sont pas mangés. Il y a une grande partie de ces animaux qui sont simplement attrapés dans les filets par mégarde, parce que ce n'est pas le poisson qu'on voulait pêcher, que tel bateau voulait pêcher, et qui sont ensuite rejetés, soit mortellement blessés, soit déjà morts. C'est ce qu'on appelle les prises fantômes. Et ainsi, bah, y a des milliards et des milliards de poissons et d'animaux marins qui meurent véritablement pour rien. Alors, c'est souvent assez difficile, je dirais, de mesurer la souffrance des poissons. On a du mal à éprouver de l'empathie envers les poissons. Pourquoi ? Parce que bah, c'est assez humain, je dirais. Ils sont froids, ils sont visqueux, ils ne sourient pas. On a du mal à avoir une interaction avec eux. Et ils ne semblent pas changer d'expression. Et puis surtout, ce qui est vraiment important, c'est qu'ils ne crient pas. Or, le cri, dans l'imaginaire humain, est symbole de souffrance. On a véritablement un réflexe de Pavlov dans la tête. Quand on se fait mal, on va pousser un gémissement. Quand on tire la queue du chat, il ne faut pas le faire, il va miauler. Quand on va séparer même un jeune veau de sa mère, elle va meugler pendant de longues heures. Donc on a vraiment ce réflexe dans nos têtes qui consiste à vraiment associer le cri à la douleur. Or, les poissons ne poussent pas d'exclamation quand il y a un hameçon qui vient leur déchirer la bouche. Ils ne pleurent ni ne crient pas quand on va les sortir de l'eau et quand ils vont agoniser des heures durant à l'air libre. Et pourtant, les poissons souffrent. Là encore, il y a de nombreuses études qui montrent que les poissons éprouvent de la douleur, que leur système nerveux est tout à fait assez développé pour qu'ils ressentent à la fois détresse et souffrance. Mais la différence, c'est qu'ils souffrent en silence. Ça, c'est pour l'aspect éthique. Et je dirais qu'il y a aussi un impact environnemental qui est bien moins souvent mesuré au niveau des poissons. C'est que les océans, bah, comment ça fonctionne ? Ça fonctionne comme des puits de carbone, c'est-à-dire c'est comme des réservoirs de carbone qui permettent de diminuer la quantité de CO2 atmosphérique. Et c'est dans, malheureusement, c'est d'ailleurs dans les zones qui stockent le plus de carbone que la surpêche est la plus forte. Et à cela, il faut ajouter le fait qu'il y a énormément d'espèces marines qui sont en extinction à l'heure actuelle, en voie d'extinction du fait de la surpêche. On estime que, au niveau mondial, 80% des espèces de poissons sont surexploitées, et que pour les espèces les plus consommées, comme le thon ou le cabillaud, on est vraiment, la situation est encore pire. Et c'est ce qui fait dire à l'association Greenpeace que d'ici à 2048, donc c'est dans pas très longtemps, les océans pourraient être vides de poissons. Et il y a une petite chose aussi qui est assez importante quand on parle de pollution environnementale des océans. On parle beaucoup du plastique. On parle beaucoup des pailles en ce moment. Enfin, en tout cas, cet été, tout le monde était sur les pailles en plastique et les pailles qui se retrouvaient dans l'océan. Et je ne sais pas si vous avez peut-être vu cette vidéo d'une tortue à laquelle on retirait une paille d'un de ses naseaux qui était assez difficile à regarder. Les pailles, c'est 0,03% de la pollution plastique dans l'océan. À côté, 46%, donc presque la moitié, c'est des filets de pêche. Donc ça fait un petit peu relativiser. Donc voilà pour un petit peu un tableau, je dirais, de la viande et du poisson. Et j'aimerais maintenant en venir aux produits animaux, parce que quand on est végétalien ou végétalienne ou quand on est vegan, on mange pas seulement de la viande, on ne mange pas seulement pas de viande ni de poisson, mais on ne mange pas non plus de produits animaux. Et très souvent, on se dit, c'est extrême, qu'est-ce qui justifie cela ? Puisqu'a priori, quand on prend les œufs ou le lait, on ne tue pas les animaux. Est-ce qu'on les tue ? Pas ? Je n'en suis pas si sûre que cela. Exemple numéro 1, le lait.
En fait, il faut se... moi, j'avais beaucoup de mal à me rendre compte de cela. Et là, d'ailleurs, la première fois où j'ai entendu parler du véganisme, c'est parce que j'étais sur des blogs un petit peu de cuisine. C'était il y a longtemps, il y a 8 ou 9 ans. Et dans 10 ans presque. Et je cherchais des recettes végétariennes parce que j'avais déjà arrêté de manger de la viande. Et j'ai demandé à mon conjoint, mais pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui sont végétaliennes ou véganes. Et pourquoi, je lui disais, mais je comprends la viande, mais pourquoi pas le lait? Il m'a dit, mais tu crois qu'on fait quoi au petit veau mâle qui ne donne pas de lait? Et là, j'ai commencé vraiment à réfléchir et je me fais, ah, effectivement, c'est logique. Et j'aimerais revenir un petit peu sur qu'est-ce que c'est une vie de vache laitière et qu'est-ce que c'est une vie de quand on est un petit veau qui naît dans une exploitation laitière. Parce qu'en fait, ce dont il faut bien se rendre compte, c'est que très souvent, dans les faits, la production de lait est bien plus cruelle encore que la production de viande. Car dans les deux cas, le résultat est le même. On envoie la vache à l'abattoir, entre 3 et 5 ans à peu près. Mais chez les vaches laitières, c'est après 5 années de maltraitance. Donc il faut savoir qu'une vache laitière est inséminée artificiellement tous les 2 ans. Parce qu'il faut sans arrêt qu'elle produise un petit veau pour pouvoir produire du lait. Dans la nature, une vache ne produirait en moyenne que 4 litres de lait environ par jour. Juste assez en fait pour nourrir son petit veau jusqu'à ses 8 mois, donc au moment de son sevrage. À l'heure actuelle, en raison des sélections génétiques et d'une nourriture enrichie, une vache laitière, ça donne environ 23 litres de lait par jour. Certaines races, comme les Holstein, produisent 30 litres de lait par jour. Et au moment des pics de lactation, on est à 60 litres. Donc on est vraiment sur des chiffres qui dépassent tout ce qui pourrait se produire dans la nature. Et qu'est-ce que ça occasionne? Tout simplement, les vaches ont trop de lait, donc elles ont des mastites, qui est donc une infection de leur pie. Elles ont des troubles métaboliques, elles n'arrivent plus à se déplacer, elles sont très souvent en plus dans des espaces clos, sans accès à l'extérieur, et elles développent énormément de problèmes qui les font souffrir. Après avoir eu 2 ou 3 petits, et après avoir produit du lait intensivement pendant 3 ans, elles sont emmenées à l'abattoir, donc à l'âge de 5 ans, alors qu'elles ont une espérance de vie d'une vingtaine d'années normalement. Leurs petits veaux, quant à eux, sont retirés, les génisses vont devenir des vaches laitières à leur tour. Les petits veaux mâles, ils sont directement retirés à leur mère au bout de souvent 24 heures, 48 heures, quelques jours. Ils vont être élevés pour leur viande. Ils vont être élevés souvent dans des petites cages individuelles ou des petits enclos où ils ne peuvent souvent même pas se retourner. Et vers l'âge de 4 à 6 mois, ils sont menés à l'abattoir. Il faut savoir que 90% de la viande de veau qu'on peut trouver dans le commerce, c'est issu de l'exploitation laitière. Et la moitié de la viande commercialisée sous l'appellation bœuf ou veau, encore une fois, c'est la production laitière. Donc on commence à comprendre que devenir végétarien ou végétarienne, quand on se préoccupe du sort des animaux, c'est bien. Mais que ce n'est peut-être pas assez, puisqu'il semble que la production, ici en tout cas de lait, soit intrinsèquement, véritablement liée à la production de viande. Alors une autre question que ma mère me pose souvent, c'est, et elle a toujours du mal à comprendre, c'est, j'espère qu'elle ne regardera pas la vidéo, c'est pourquoi est-ce que tu ne manges pas d'œufs? Les œufs, c'est pur et ça ne tue pas les poules. Alors, effectivement, ici, encore une fois, de plus, la consommation d'œufs ne va pas tuer directement les poules, mais elle va tout de même les tuer au bout d'1 an en moyenne, que votre poule ait été élevée en batterie ou en plein air. Ça ne change rien. Et d'ailleurs, j'aimerais vous montrer, est-ce que vous savez ce que c'est ça, à peu près? Ça, c'est une feuille d'A4. C'est donc l'espace dont dispose une poule pondeuse élevée en batterie tout au long de sa vie. C'est pas beaucoup. Première chose, quel que soit le mode d'élevage, les œufs éclosent dans de gigantesques couvoirs. Donc on peut un peu déjà se séparer de l'image mentale bucolique de la petite poule qui couve son œuf côte-côte sur son petit lit de paille. À la naissance, les mâles et les femelles sont triés. Les femelles vont devenir des poules pondeuses. Et les mâles, qui ne pondent pas d'œufs et qui vont grandir
trop lentement par rapport aux poulets élevés spécifiquement pour leur chair, vont alors être soit broyés, soit gazés, soit étouffés vivants. Au bout de 18 semaines, les poules sont placées en élevage. Donc 70% d'entre elles, quand même, vont disposer de cet espace. 70% sont en batterie. Et en batterie, elles n'ont pas accès à la lumière du jour. Elles sont souvent entassées dans des hangars à raison de 45 à 60 poules par cage. Donc on est environ sur des hangars de 100 000 poules. Et leur seule activité, c'est de pondre, c'est de pondre, c'est de pondre. On voit qu'elles sont sur des caillebotis qui sont souvent recouverts de fientes et de cadavres en décomposition. Et ce, jusqu'à leur mort. Et qu'on soit en bio ou non, les poules vont être envoyées à l'abattoir à peu près à l'âge d'un an, c'est-à-dire quand leur productivité décline, alors que dans la nature, leur espérance de vie serait environ de 8 à 10 ans. Donc, voilà. Donc mon but ici, ce n'était pas de vous apitoyer. Je suis désolée de vous montrer ces photos. Je n'aime pas du tout, personnellement, regarder ce type d'image. Et je n'ai pas choisi les pires parce que je n'aime vraiment pas ça. Mais mon but, c'était plutôt de vous dire que si on devient végane, c'est parce qu'on considère qu'il n'est pas juste de traiter les animaux de la sorte. Si on devient végane, c'est parce qu'on estime qu'il y a une injustice profonde à exploiter, à maltraiter d'autres êtres sensibles, alors que nous n'en avons pas besoin. Et si on devient végane, enfin, c'est surtout parce qu'on pense que tous les êtres sensibles doivent avoir des droits, et en particulier celui de vivre et de vivre dignement. Et en ce sens, le véganisme n'est pas simplement un régime alimentaire, une tendance à la mode, comme on aime bien la dépeindre en ce moment. Il s'agit d'un mode de vie, mais également d'un mouvement philosophique, social et politique qui vise à mettre fin à l'exploitation animale et à promouvoir des alternatives à cette exploitation, alternatives qui bénéficieront à la fois aux êtres humains, mais également aux animaux et à l'environnement. Donc concrètement, une personne végane va boycotter autant que possible à la fois les produits d'origine animale dans son assiette, donc on l'a vu, c'est le végétalisme, les chairs animales, les produits laitiers, les œufs ou le miel. Cette personne va également boycotter les produits d'origine animale dans tous les autres domaines de la vie quotidienne, que ce soit les vêtements en cuir, la laine, la fourrure, les cosmétiques, qui contiennent la graisse animale, les produits animaux. Je vais revenir brièvement là-dessus juste après. Et enfin, une personne végane va boycotter également toute pratique qui est basée sur l'exploitation et la cruauté envers les animaux. Donc, que ce soit par exemple dans les loisirs ou le divertissement, comme les cirques, les zoos, les corridas, les tests sur les animaux pour les produits cosmétiques, etc. etc. Personnellement, quand j'ai cessé de manger des animaux, ma première pensée, c'était de dire que ça ne concernait que moi. C'était mon choix personnel et que je ne voulais vraiment imposer mon végétarisme puis mon véganisme à personne, surtout pas à mon conjoint, à qui je continuais d'acheter du fromage, du jambon, même plus que de raison, plus que lui-même le désirait. Et puis, les choses ont changé. J'ai compris peu à peu que le véganisme n'était pas simplement une question de choix personnel, mais qu'il était avant tout une question de justice sociale. Que je n'avais dès lors pas d'autre choix, si c'était profondément injuste d'infliger ceci aux animaux, que de me battre pour cesser ce que je percevais comme une oppression infondée. Et pour qu'enfin les soient reconnus des droits aux animaux, des droits qui les protègent et qui nous empêchent de les exploiter. Qu'est-ce que ça veut dire, au fond, les droits des animaux ? Il y a plusieurs manières de concevoir la notion de droit. On peut parler de droit moral, c'est-à-dire des droits qui vont être reconnus moralement, et de droit légal, c'est-à-dire des droits qui vont être octroyés par la législation. Dans les faits, les deux types sont liés, puisque très souvent, les droits moraux sont censés préfigurer les droits juridiques. Donc, par exemple, on a l'interdit moral « tu ne tueras point », le meurtre humain est considéré comme un interdit moral, et ensuite, il est prescrit par la loi. Et il y a déjà un certain nombre de droits légaux qui sont accordés aux animaux. Ça reste très modéré, mais le code pénal français, par exemple, punit les sévices contre les animaux domestiques. Par exemple, on n'a pas le droit, on va être coupé d'une peine de prison ou d'une amende si on coupe la queue d'un chat ou d'un chien.
Mais ce que veulent la plupart des véganes, ce sont des droits qui sont bien plus larges qu'une amende pour avoir coupé la queue de son chat. Mais ce sont des droits moraux et ensuite des droits légaux bien plus vastes. L'idée sous-jacente des droits des animaux, qui a été formulée par des philosophes comme Tom Regan ou Gary Francione, c'est que les animaux, comme les humains, cherchent à éviter les souffrances. Et comme nous, ils cherchent à éviter tout ce qui les prive de satisfaction dans leur vie. Tout ça parce qu'ils sont sensibles, comme on l'a vu. Et à partir du moment où on est sensible, de manière générale, on a le droit et on devrait avoir ce droit de ne pas être traité comme une ressource pour autrui, comme un moyen en vue d'une fin. Et faire souffrir les animaux quand ce n'est pas nécessaire est déjà entériné par la loi. On le voit avec l'exemple du chat. Or, si on pousse la logique un peu plus loin, manger de la viande ou boire du lait, à notre époque, dans nos sociétés occidentales actuelles, n'est plus une nécessité. Et en ce sens, on devrait respecter le droit fondamental des animaux à vivre de la même manière qu'on ne veut pas faire souffrir son chat ou son chien. Et de la même manière, une viande heureuse, entre guillemets, c'est-à-dire une viande qui vit, enfin un animal qui vit quelques mois puis qui est envoyé à l'abattoir, n'est pas acceptable, n'est pas une solution acceptable, puisque on prive un animal de sa vie et de toutes les satisfactions qu'il pourrait connaître dans sa vie. Et à l'heure actuelle, le problème, c'est que les animaux sont considérés comme des biens, comme des objets, et que on ne voit pas de mal à l'exploitation d'objets ou de choses. Et que tant qu'on verra les animaux seulement comme des choses et non pas comme des personnes, les choses ne changeront pas. Or, les animaux sont des personnes. Et autrement dit, derrière l'idée des droits des animaux, il y a vraiment cette idée fondamentale de justice. De la même manière que ce n'est pas par pitié ou par gentillesse qu'on ne bat pas les enfants et les femmes, que ceci est réprimandé par la loi, on ne se préoccupe pas des animaux par pitié ou par compassion. On se préoccupe fondamentalement des animaux par un souci de justice. C'est parce que ces êtres ont le droit de vivre dans le respect et de ne pas souffrir. Très souvent, le véganisme est traité d'excessif ou d'extrême, parce qu'il pousse la logique plus loin que le végétarisme ou le véganisme. Est-ce qu'il n'est pas extrême, au fond, de refuser de porter des pulls en laine qui ont été tricotés avec amour par votre grand-mère? Est-ce qu'il n'est pas extrême, je dirais, de la même manière, de ne pas vouloir que ses enfants aillent au cirque ou au zoo, qui les fait pourtant tant rire? Est-ce qu'il n'est pas extrême de ne refuser de porter des chaussures en cuir, par exemple? Car ici, encore une fois de plus, quand on y réfléchit, ces activités ne semblent pas générer directement la mort des animaux. A priori, on ne tue pas les moutons pour prendre leur laine. Et pourtant, en dépit de ce que l'on peut imaginer, chaque année, ici encore, ce sont des milliards d'animaux qui sont tués, qui sont martyrisés, qui sont exploités pour leur laine, pour leurs plumes, pour leur cuir, pour des spectacles marins ou équestres, pour finir au milieu d'une piste ou au fond d'une cage. Et dès lors, on comprend que le véganisme ne saurait être réduit à un simple choix alimentaire. À la différence justement du végétalisme, il s'agit véritablement d'une philosophie, d'un engagement éthique, parce que l'exploitation animale est absolument partout dans notre quotidien, depuis nos objets les plus courants jusqu'à nos pratiques de loisirs. Et on comprend ainsi que lutter contre l'exploitation animale ne saurait véritablement s'arrêter au contenu de notre assiette. Et les conséquences de ce boycott vont toucher tous les aspects de la vie quotidienne. Alors je vais parler de quelques aspects ici, je ne peux pas tous le faire. Si vous voulez un avis un peu plus exhaustif, je vous enjoins véritablement à lire mon livre dans lequel je détaille toutes ces informations. Je suis désolée une fois encore de plus de vous montrer ces images, ce n'est vraiment pas de gaieté de cœur, mais parfois je pense qu'il est bon de se confronter à la réalité des choses. Donc tout d'abord la laine. On a toujours ici encore une fois cette image assez bucolique du petit mouton dans les champs qui nous donne volontiers sa laine contre du foin et de l'amour.
Il faut savoir que l'industrie de la laine, comme toute industrie, je dirais, comme toute branche de l'agriculture animale, c'est une industrie qui considère les animaux comme des ressources qui génèrent du profit. Et en ce sens, elle est étroitement liée à l'industrie de la viande. Donc, en gros, soit les animaux sont élevés pour leur viande, soit les animaux sont élevés pour leur lait, et la laine, c'est un moyen simplement supplémentaire de générer davantage de profits. Et dans tous les cas, dès que la productivité de l'animal décline, ils sont envoyés à l'abattoir. Donc, dans les deux cas, on aboutit à la mort, et ce, dans l'immense majorité des cas, même dans les petits élevages. Et récemment, je discutais avec un collègue. Donc, j'habite en Angleterre, juste à côté du Peak District, une grande réserve naturelle où il y a des petites fermes, des petits élevages, etc. Et un de mes collègues à l'université élève des moutons. Il élève des moutons. Pas seulement pour leur laine, mais également pour les manger. Et il m'expliquait que, bien sûr, il aime ces animaux, mais qu'à partir du moment où leur productivité baisse, alors que soit il élève pour leur laine, et donc dès qu'il commence à être un peu moins, bah, il est bien obligé, même s'il aime énormément ces bêtes, de les envoyer à l'abattoir. Et pour les moutons, il n'envoie pas tout de suite les petits veaux dès l'âge de 1 ou 2 mois, mais il va les envoyer à peu près à l'âge de entre 6 mois et 12 mois. Donc dans tous les cas, et on est vraiment sur un petit élevage, il a 50 moutons, pas plus. Dans tous les cas, on voit vraiment combien ces deux industries sont vraiment main dans la main. Et au-delà de ça, donc il faut savoir que les élevages, les petits élevages, ça reste quand même ultra minoritaire. Qu'à côté, on est vraiment sur l'industrie beaucoup plus en masse. Qu'à l'heure actuelle, la majeure partie de la laine qui est produite dans le monde, elle provient soit de Nouvelle-Zélande, soit de Chine, soit d'Australie. Et que la France, à côté, c'est peanuts, hein, on est à 5000 tonnes par an, donc c'est rien du tout, du tout. Donc, toutes les personnes qui disent souvent « Ah, mais moi, j'achète que de la laine française », c'est peut-être un pas environnementalement qui est important, peut-être au niveau des conditions d'éthique humaine également, mais déjà, c'est éthiquement, au niveau de l'animal, c'est pas ça. Et surtout, c'est quand même très minoritaire. Et quand bien même vous achetez souvent un pull made in France, ça ne veut pas dire que la laine qui a fait ce pull a été, est issue de moutons qui ont été élevés en France. Et par exemple, si vous avez un pull en mérinos, donc c'est une laine qui est qui est assez courante parce qu'elle est très chaude, elle est très douce. Moi, je suis allergique à la laine, donc tant mieux, je n'ai pas à en avoir, mais dans le cas de la laine mérinos, y a extrêmement peu d'élevages en France, on est sur moins d'une dizaine d'élevages, donc c'est vraiment rien du tout. La majeure partie de cette laine, elle est produite en Australie. Et en Australie, c'est là où on pratique le mulesing. Donc le mulesing, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment répugnant, puisqu'il s'agit d'une pratique qui consiste à couper l'arrière-train des moutons pour éviter en fait l'incidence de la miase. C'est une petite mouche qui vient pondre ses œufs dans l'arrière-train des moutons. Si elle vient faire ça, c'est parce que les moutons mérinos ont été sélectionnés génétiquement pour produire de la laine énormément. Ces animaux, dans la nature, ils n'existeraient pas, ils n'existent que par l'action humaine. Et donc on leur coupe l'arrière-train sans anesthésie, alors qu'il y a d'autres pratiques. On pourrait par exemple, plusieurs études semblent suggérer que l'utilisation d'huile essentielle de tea tree a des résultats complètement similaires au fait de leur raboter l'arrière-train. Et en Australie, c'est là où on cultive toute la laine de mérinos. Donc si vous avez pu en mérinos, c'est à peu près sûr que c'est passé par un mouton à qui on a coupé les fesses. Donc, c'est les moutons qui échappent au mulesing, en revanche, ne vont pas échapper pour les mâles à la castration à vif, et pour tous à la tonte. Donc, la tonte, c'est un sujet qui est un petit peu, je dirais, délicat, parce qu'en théorie, la tonte peut être réalisée sans faire de mal à l'animal, sans blesser l'animal. Ça peut même être, pour un animal qui a énormément de laine, une source de soulagement. Malheureusement, ici encore, quand on considère les animaux comme des ressources et quand on ne vise pas leur bien-être mais le rendement, ça va mener les personnes qui pratiquent la tonte à aller de plus en plus vite et à produire à véritablement des abus qui vont blesser les animaux et qui vont énormément les faire souffrir. Ensuite, une fois les moutons vieux, comme je l'ai dit, plus leur laine est rare, plus, enfin, donc ils sont envoyés à l'abattoir.
La laine Angora, je vais aller assez vite aussi là-dessus. Je pourrais parler de toutes les autres laines. Je parle de celle-ci parce que ici encore, c'est de la laine qui est issue d'un lapin Angora qui a un pelage très important. 90% des élevages d'Angora sont en Chine. Il y a quelques élevages en France, mais ils sont peu nombreux. Et surtout, il n'y a pas de réglementation pour encadrer la profession. Donc, tous les abus peuvent avoir lieu. Les lapins pourraient être tondus, ce qui leur éviterait beaucoup de douleur, mais à la place, on pratique plutôt l'arrachage des poils, 3 à 4 fois par an. Je vais vous lire un tout petit extrait, en fait, de mots prononcés par un éleveur qui a été rencontré par l'association One Voice. Donc, c'est un éleveur de lapins Angora. C'est assez difficile. Donc il dit, il y en a des fois, tiens, pouf, il y a un bout de peau qui vient avec. Quand ça commence, j'ai vu des fois, je lui aurais arraché tout. J'étais obligée de finir au ciseau parce que toute la peau venait. Alors là, tu passes du temps. J'ai vu des fois passer 2 heures sur un lapin qui se déchirait de partout. Des fois, je te dis, il vaut mieux mettre un coup sur la tête à celui-là. Donc je ne veux pas blâmer du tout ici l'éleveur, mais c'est vraiment pour montrer les conditions dans lesquelles sont produits tous ces produits d'origine animale. Quelle que soit l'origine de la laine, la production est source d'exploitation, de violence et, dans l'immense partie des cas, de mort. Encore quelques images pas très drôles. Je parle ici des tests sur animaux, donc des souffrances qui sont infligées aux animaux pour notre vie quotidienne, et notamment les tests sur les animaux pour les produits de beauté et d'hygiène. Donc la législation européenne a évolué là-dessus, mais il faut savoir que chaque année, environ 115 millions d'animaux sont mis à mort sont victimes d'expérimentations en laboratoire et sont ensuite mis à mort. Et en grande partie pour des produits qui ne sont pas de première nécessité. Je ne parle pas ici, c'est un autre sujet, de tests pour des maladies incurables ou autres. Je parle ici de produits comme du liquide vaisselle ou des crèmes auto-bronzantes. Et ça, depuis plusieurs décennies, on va utiliser très souvent des lapins parce que leur peau et à la fois leurs yeux ont des propriétés similaires à ceux des humains. On va utiliser des souris, des cochons d'Inde, des hamsters, des rats, parfois même des chiens et des chats. Le beagle est un chien qui est extrêmement souvent utilisé en expérimentation animale parce que c'est un chien très docile, qui ne se rebelle pas. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe des alternatives à l'expérimentation animale. Qu'elles sont même nombreuses. On a des techniques in vitro sur des cellules, on peut utiliser des tissus humains et on peut même utiliser, ce qui semble même souvent plus fiable, des modèles informatiques. Donc ici encore, on se pose la question de la nécessité de ces pratiques véritablement barbares. Un dernier exemple, et après je vais arrêter avec ceci. Les plumes et le duvet qu'on utilise dans nos doudounes, dans nos matelas, les oreillers, etc. Le duvet, c'est tout doux, c'est très agréable. Il faut savoir que, alors, en théorie, ça peut être prélevé ici encore sur les animaux morts, mais que très souvent, c'est fait sur les animaux vivants. C'est extrêmement douloureux, c'est ce qu'on appelle le plumage à vif. Et ça laisse très souvent les animaux véritablement en sang. L'Union européenne a fini par interdire la pratique du plumage à vif. Mais le petit hic, c'est qu'elle n'a pas interdit l'importation de plumes qui ont été prélevées selon cette technique. Autrement dit, sachant que la majorité des plumes et du duvet qu'on peut trouver sur le marché européen et sur le marché mondial provient de Chine, où il n'y a absolument pas ces législations, il est très probable que dans votre doudoune en plumes, il y ait des plumes qui ont été prélevées sur des animaux vivants. Et d'autre part, le secteur des plumes et du duvet, ici encore, est étroitement lié à l'industrie de la viande. Pourquoi? Parce que c'est du profit. Et ça, on le voit par exemple au niveau de l'industrie du foie gras en France. Pour les éleveurs de foie gras, ça va leur apporter de l'argent supplémentaire d'en plus prélever les plumes et le duvet de ces animaux. Donc je dirais qu'acheter des produits en plumes ou en duvet, ici encore indirectement, revient à subventionner finalement l'élevage du foie gras et par là même donc le gavage des oies et des canards, qui est une pratique véritablement barbare.
Mon but n'est pas d'être exhaustive. Il y a énormément d'autres pratiques qui vont créer de la souffrance animale. Et je vous ai parlé un petit peu de tout ça, peut-être plutôt pour vous montrer combien les animaux, en fait, sont véritablement partout dans notre vie quotidienne. Ils sont véritablement des rouages misérables et invisibles de l'immense machinerie qui fait tourner le monde. On va les retrouver dans tous nos produits du quotidien, dans nos savons, dans nos dentifrices, dans la nourriture pour chats et chiens, dans les billets de banque en Angleterre, notamment les nouveaux billets de banque contiennent de la graisse de bœuf, etc., etc. Et ce qui est fou, c'est que toute notre vie semble dépendre de ces animaux, et pourtant leur misère est complètement tue. On ne se rend pas compte de tout cela parce que ça nous semble complètement indirect. Et pourtant, nous avons le pouvoir de refuser ces souffrances et cette exploitation. Donc, comment est-ce qu'on fait finalement pour refuser cela ? Je dirais que d'abord, on devient rarement vegan du jour au lendemain. Je ne me suis pas réveillée, par exemple, moi-même un matin en me disant « Tiens, si je devenais vegan, si je vider intégralement le contenu de mes placards pour les mettre à la poubelle et les remplacer par des produits vegan. J'ai pas d'un coup non plus été à un dîner avec Baron en disant « Ah, il y a du cadavre dans mon assiette ». C'est pas ce qui s'est produit. Et ce n'est pas forcément non plus ce que je conseille, bien qu'il y a plein de manières différentes de devenir vegan. Ce que je préconise plutôt qu'une transition rapide, c'est plus une transition progressive. Pourquoi ? Parce que c'est pas simple déjà d'arrêter de manger des animaux et des produits animaux, parce que c'est profondément ancré dans notre culture, que ce soit sous forme de plaisir, d'émotion, de sociabilité, d'habitude. Très souvent, les gens qui viennent me parler, qui ne sont pas végétariennes ou véganes, me disent « mais comment ?» Soit ça leur rappelle des souvenirs, la blanquette de leur grand-mère, par exemple, soit me dire « mais comment est-ce que je vais faire en famille pour refuser ce que ma grand-mère me donne, par exemple, avec amour ?» Et d'autre part, c'est aussi très souvent addictif. On le voit notamment avec le fromage, qui présente une forme de laitage très concentrée. Et que, comme pour toute forme d'addiction, je dirais, il vaut mieux, en général, physiologiquement, opter pour un sevrage en douceur. Plus généralement, ce dont on se rend compte, c'est qu'on n'a pas beaucoup, beaucoup d'études sociologiques qui ont été faites sur les personnes végétariennes ou véganes, mais que les quelques-unes qu'on a nous montrent que les personnes qui sont souvent devenues véganes du jour au lendemain ont tendance à revenir en arrière par la suite et remanger des animaux ou des produits animaux. Pourquoi ? Parce que c'est un grand choc, parce qu'on se sent souvent démuni, parce qu'on est parfois déçu devant des alternatives. Moi, je me souviens la première fois où j'ai fait un gâteau au chocolat vegan. Je n'étais pas encore végane, mais je peux vous assurer que ça a retardé de quelques mois, je suis sûre, ma transition. En plus, j'avais vraiment essayé de tout mettre pour remplacer... Moi, je vais parler de remplacer les œufs juste après. Il y a plusieurs techniques pour remplacer les œufs. Et moi, j'avais tout mis. J'avais mis de la fécule, j'avais mis du tofu, j'avais mis des graines de lin. Je ne savais pas, par exemple, les graines de lin qu'il fallait les moudre pour faire des œufs. Moi, j'ai essayé de les couper au couteau. Enfin bref, j'ai eu une sorte de bloc pudding immonde que mon copain a mangé parce que je ne pouvais pas le manger moi-même. Bref, j'aurais pu être déçue de cela. Et je suis sûre que lui, ça lui a pris encore plus de temps à cause de ce gâteau. Mais tout ça pour dire que si vous êtes en processus, si vous réfléchissez en tout cas à devenir végétarien ou végane, je vous conseille d'y aller assez progressivement pour pouvoir vous habituer, pour pouvoir découvrir surtout l'alimentation végétalienne et pour pouvoir, avant de soustraire, je dirais, il vaut mieux essayer d'additionner. Moi, ce que j'ai adoré, et c'était vraiment une grande découverte pour moi, c'était aller dans un magasin. Bon, maintenant, on en trouve de plus en plus dans les supermarchés, mais dans un magasin bio. Et puis, tester plein de produits que je ne connaissais pas. J'ai eu des déconvenues, hein, mais tout ça, ça m'a fait dire que l'éventail des possibilités semblait extrêmement important. Qu'auparavant, quand je faisais un gâteau, je prenais de la farine de blé et puis c'est tout. Et quand je suis arrivée en magasin bio, la première fois, il y avait de la farine d'épeautre, de la farine de pois chiche, de la farine d'avoine. Enfin bref, j'étais complètement à la fois perdue devant tout ce choix, mais aussi émerveillée devant toutes les possibilités et les découvertes que cela allait entraîner.
Donc je dirais, prenez votre temps, familiarisez-vous avec les produits animaux avant peut-être de vouloir trop, aller trop vite. Deuxième chose qui est souvent qu'on se demande, c'est alors, mais qu'est-ce qu'on mange quand on est vegan ? Et j'adore ce dessin d'un Slow and Veggie qui donc on a le petit personnage, le petit omnivore qui lui dit, mais végétalienne, mais c'est très restrictif, qu'est-ce que tu manges ? Et elle se met à dire, donc des pâtes, du riz, des pommes, du boulgour, des pains, du sésame, des poires, des châtaignes, des lentilles, des patates, du seitan, des fraises, du chocolat, des noisettes, du raisin, des pêches, des brouillons, du chou romanesco, du chou chinois, du chou vert, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Moralité, il ne faut jamais demander à une personne végétalienne ou végane qu'est-ce qu'elle mange. Parce qu'on mange énormément de choses. Parce que c'est souvent, enfin moi, ce que je me représentais, c'était, ça veut dire que si je ne peux plus manger d'œufs ou de laitage, ça veut dire que je ne vais plus manger de crêpes, que je ne vais plus manger de gaufres, que je ne vais plus manger de lasagne, etc. Et je ne me voyais pas manger simplement des légumes vapeur et du blé ou du riz bouilli à longueur de journée. Et en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout ça, qu'en fait, les produits... que les œufs, que le lait, le fromage, etc., n'étaient pas du tout une nécessité pour la cuisine, qu'on pouvait très facilement les remplacer. Et qu'on pouvait les remplacer, mais qu'on pouvait d'abord les remplacer de manière nutritionnelle, en adoptant de nouvelles habitudes. Donc au lieu d'avoir la viande à peu près au milieu de la pyramide, très souvent une assiette en France est composée par un gros morceau de viande, et puis... le pain ou les céréales viennent à côté et les légumes sont encore plus petits. Et puis, bien sûr, on a le fromage ensuite. Il faut juste un petit peu en fait, revoir cet équilibre. Et ça se fait assez simplement. Donc, la base, ce sont les fruits et légumes qui vont nous apporter des vitamines, qui vont nous apporter des minéraux. Ensuite, on va faire souvent la part belle aux céréales, aux pseudo-céréales. Donc, ça peut être du blé, du riz, de l'orge, du quinoa, du sarrasin. On va introduire ce qui est très peu finalement consommé dans nos sociétés européennes et surtout en France, des légumineuses, des lentilles, des pois chiches, des fèves, du soja, les produits aussi à base de soja, comme du tofu, du lait de soja, qui sont très très riches en protéines, mais qui sont aussi très riches en fibres et en minéraux. Des oléagineux, des amandes, des noix, des noisettes, qui vont nous apporter des bons gras. Ici encore, des minéraux et des protéines. Et puis, en plus petit nombre, des huiles et des vitamines. Et cette combinaison nous apporte véritablement un équilibre alimentaire parfait qui ne suscite pas de carences. Mais je vais revenir sur les carences à la fin. Et ensuite, comment remplacer ? Il y a plein de manières de remplacer... ça ne veut pas dire qu'on va arrêter de manger des crêpes ou des lasagnes. On peut, surtout maintenant, les choix sont vraiment de plus en plus importants. Dans les supermarchés en France, on peut trouver tout ça. On peut trouver des steaks végétaux, des burgers, des saucisses végétales, du tofu, du tempeh, donc à base de soja, du seitan, donc à base de gluten de blé, des légumineuses qui sont très riches en protéines. Au niveau du poisson, on peut remplacer le goût du poisson par des algues dont la saveur marine va rappeler vraiment le poisson. Les laitages, il y a tout l'échantillon de lait, de soja, d'épeautre, d'amandes, de noisettes, etc., etc. Les crèmes végétales, c'est pareil, ça va remplacer la crème fraîche notamment. Le tofu soyeux peut aussi remplacer la crème fraîche. Le beurre peut être remplacé par de la margarine, par de la purée d'oléagineux, purée d'amandes. L'huile de coco est géniale dans les biscuits ou tous les gâteaux. Les fromages, c'est pareil. Je mesure en plus les fromages en France. Il y a quelques années, quand je suis devenue végane, c'était difficile véritablement de trouver des fromages végétaux et je les faisais moi-même, très souvent à base de noix de cajou. J'ai plusieurs recettes d'ailleurs sur mon blog si vous voulez jeter un coup d'œil. Et maintenant, mais c'est vraiment. Ça pullule en France. Je veux dire, les toutes petites entreprises, les entreprises artisanales de fromage fermenté, comme par exemple Jane Joy à Paris, ou qu'est-ce qu'on a d'autre les véganes, je crois que c'est avec deux N. Il y en a plein maintenant. Et ils proposent du fromage type du camembert, du bleu, qui sont vraiment bluffants, honnêtement. Et je mesure la chance de la France là-dessus, parce que moi, en Angleterre, il n'y a pas la culture du fromage. Et donc, il n'y a pas la culture du fromage végétal. Honnêtement, c'est beaucoup plus tristou. Donc voilà, et enfin les œufs qu'on va retrouver. Là, il y a plein de manières de remplacer les œufs dans les gâteaux, dans les quiches, partout, que ce soit
De la compote de pommes, de la fécule de maïs ou de pommes de terre, de la purée d'oléagineux, la banane écrasée, des graines de lin moulues et surtout l'aquafaba dont vous avez peut-être entendu parler, qui est en fait du jus. Quand on achète une boîte de pois chiches, il y a du jus et on va garder ce jus. Et ce jus est très riche en albumine, tout comme le blanc d'œuf. Et on va pouvoir le battre véritablement en neige, comme on fait monter des œufs en neige. Et ça a vraiment révolutionné la pâtisserie végétale, puisque maintenant, on peut faire, alors qu'avant, c'était quand même plus compliqué, on peut faire des macarons, on peut faire des meringues, on peut faire tout ce qui nécessite des œufs battus en neige. Là encore, si vous voulez regarder tout ça, j'ai tout détaillé dans mon livre. Donc, n'hésitez pas. J'ai aussi, bon, vous voyez... Ça, c'est des recettes. Avant, je publiais des recettes sur mon blog. Donc, c'est tout ce qu'on peut faire. Et vous voyez qu'on n'a pas l'air de mourir de faim, ni on n'a pas l'air de se priver spécialement quand on devient végane. Et je vais être assez brève là-dessus, mais au-delà de l'alimentation, c'est pareil. Il y a de plus en plus de manières de remplacer, par exemple, la laine, que ce soit par des fibres synthétiques, de préférence recyclées, si vous accordez une importance... à l'avenir de la planète, mais ça peut être aussi des fibres végétales, le bambou, le soja, sont très isolants, le chanvre, le lin. Je ne possède pas de pull ou de vêtements en chanvre ou en lin, mais j'ai des amis qui ne jurent vraiment plus que par ça, parce que ça a des propriétés thermiques très intéressantes, qui fait que ça tient chaud en hiver, mais qu'en été, ça permet véritablement à la transpiration d'être rapidement évacuée. Et c'est des plantes, le chanvre et le lin, qui nécessitent au niveau de la culture extrêmement peu d'eau et d'apport en engrais, etc., et qui sont cultivées en France. Le cuir va être remplacé par soit des fibres synthétiques, ça peut être aussi par du latex, ou à droite ici en haut, c'est du cuir d'ananas en fait. On va récupérer la peau de l'ananas et on va la traiter d'une certaine manière et on fait véritablement des objets en cuir qu'on repère assez facilement parce qu'ils ont ce petit côté un petit peu comme marqué qui leur donne un côté assez élégant. Les produits cosmétiques et d'hygiène, c'est pareil, on en trouve de plus en plus à l'heure actuelle qui ne sont pas testés sur les animaux, qu'ils sont soit vegan, soit cruelty free, soit les deux. On peut aussi faire des produits maison, on peut aussi s'en passer. Ça, c'est pareil, je détaille tout dans mon livre. Et au niveau des loisirs et des divertissements que je n'ai pas abordé ici en détail, mais on peut très bien remplacer la séance du dimanche au zoo ou la soirée au cirque par une visite à des sanctuaires d'animaux, par exemple, par des balades dans des parcs et réserves naturelles, des réserves ornithologiques ou des cirques sans animaux, parce que ça existe. Et il y en a de plus en plus ici aussi. Donc, voilà pour faire un petit tour d'horizon là-dessus. Et je dirais qu'après, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il ne faut pas viser peut-être la pureté à tout prix, surtout pas au début quand on devient végétarien ou végane. Ce sont des choses qui vont se faire pas à pas et ce qui compte, c'est d'œuvrer dans cette direction, d'œuvrer contre l'exploitation animale. Et dernière grande question... et on avait parlé des objections des protéines en début de conférence. Est-ce que vegan, voilà, c'est dangereux? Ce qui est amusant quand on devient vegan, c'est que subitement, on a l'impression que tout son entourage est spécialiste en nutrition. Moi, ça a été vraiment le cas. Tout le monde m'a dit, mon frère m'a dit, il faut prendre des compléments. Ma mère m'a dit, il faut absolument que tu manges du poisson, etc., etc. Et étonnamment, c'est moins le cas quand on va juste aller manger chez McDo ou des trucs pas forcément très sains. Et pourtant, donc, de mon côté, ça fait des années que je suis végane. Je suis devenue végane officiellement le 1er janvier 2011. Et je dis officiellement parce que parfois, il faut juste mettre une date. Avant, j'avais petit à petit commencé à supprimer. Et je ne mange pas de viande depuis 2008 à peu près. Donc, ça fait 10 ans que je ne mange pas de protéines apparemment. Et pourtant, je suis en très bonne santé. Alors, est-ce que je suis peut-être une exception à la règle des véganes rachitiques? Je ne crois pas, puisque la plupart de mes amis semblent en très bonne santé également, la plupart des gens que je connais. Et ça peut paraître étonnant dans un pays comme la France,
où les instances médicales semblent aussi opposées, je dirais, au végétarisme et qui plus est encore au végétalisme. En France, énormément les organismes institutionnels suggèrent que ne pas manger de viande, à plus forte mesure quand les enfants ne mangent pas de viande ou de produits d'origine animale, conduit véritablement à de fortes carences. Et pourtant, quand on se penche un petit peu sur ce que préconisent d'autres instituts de santé au niveau européen ou au niveau mondial, ben on voit que en fait, leurs préconisations ne sont pas du tout les mêmes. Qu'en Angleterre, par exemple, l'ANHS, qui est donc l'institut anglais, l'Institut de santé publique britannique, va avoir toute une page de recommandations pour les personnes végétaliennes et va leur dire à quoi il faut faire attention, etc. Et ne pas le faire serait même considéré comme de la discrimination. Et on a même, ce qui est important, c'est par exemple l'Académie américaine de nutrition et de diététique qui regroupe aux États-Unis plus de 100 000 professionnels de santé, vient récemment de réitérer un avis complètement favorable au végétarisme ou au végétalisme, puisqu'elle déclare que les alimentations végétariennes et végétaliennes, bien équilibrées, sont saines et nutritionnellement adaptées. Elles peuvent également apporter des bénéfices de santé dans la prévention et le traitement de certaines maladies. Ces alimentations, et c'est important, sont appropriées à tous les âges de la vie, y compris la grossesse, l'allaitement, la petite enfance, l'enfance, l'adolescence, ainsi que pour les personnes âgées et les athlètes. Et est-ce que l'Académie américaine de nutrition et de diététique est la seule à dire ça ? Non, puisque l'Association professionnelle des diététistes canadiens dit exactement la même chose. Le Conseil national australien de santé et de recherche médicale dit aussi la même chose. La NHS dit la même chose. Et même le département d'agriculture américain, attaché donc au gouvernement, dit la même chose. Tout se converge pour dire que le végétarisme ou le végétalisme sont nutritionnellement sains et adéquats. Malgré cela, très souvent, le premier sujet d'inquiétude, on l'a vu, ce sont les protéines. Donc, désolée, je n'ai pas eu le temps de le traduire aujourd'hui. En fait, très souvent, on a cette inquiétude qui consiste à dire « mais si tu ne manges pas de viande, alors tu ne manges pas de protéines ». Et heureusement, pour les personnes végétariennes ou véganes, il suffit de regarder en fait, un petit peu la part de protéines qui sont contenues dans la plupart des ingrédients, des produits végétaux courants, pour se rassurer. Donc, par exemple, pour les noix ou les pois chiches, on a à peu près 20% du produit sec qui est composé de protéines. Pour le beurre de cacahuète ou les haricots type haricots adzuki, on est à 25%. Les graines de soja, on est presque de l'ordre de 40%, donc c'est énorme. Si on regarde la spiruline ou le seitan, donc le gluten de blé, on est quasiment de l'ordre de 70%. Donc c'est vraiment des aliments qui sont très riches en protéines. Et l'Académie américaine de nutrition et diététique souligne qu'il n'y a aucun problème pour les régimes végétariens ou végétaliens de combler les besoins en protéines des gens. Et que très souvent, même les personnes végétariennes ou véganes dépassent largement les besoins en protéines, et ce, à tout âge de la vie. Il faut faire attention d'ailleurs de ne pas consommer trop de protéines, car cela peut poser d'autres problèmes de santé. Les nutriments auxquels il faut vraiment faire attention, je dirais, et c'est vital, c'est la vitamine B12 qu'il faut absolument prendre. Alors très souvent, il y en a qui disent « oui, mais on peut la trouver quand les légumes ne sont pas bien lavés, etc. » Ce n'est pas vrai. Si vous ne prenez pas cette vitamine, très souvent, la carence ne va pas. La carence met du temps à s'installer. Donc vous pouvez vivre 3 ans, 5 ans, 10 ans sans avoir aucun problème. Mais une fois cette carence installée, ça va être vraiment difficile à revenir en arrière. Elle n'est pas irréversible, heureusement, mais elle peut vraiment avoir des conséquences de santé importantes. On ne trouve pas de source végétale de vitamine B12. Et ce qu'il faut, c'est soit prendre des produits enrichis en B12, soit directement un supplément. De la même manière, je conseille très fortement à tout le monde de prendre de la vitamine D en hiver, et ça que vous soyez d'ailleurs végétarien ou non, puisqu'il y a très peu d'aliments finalement d'origine animale qui contiennent de la vitamine D. On va la trouver principalement dans la chair de poissons gras.
et que la principale source de vitamine D, je pense que vous le savez, c'est le soleil, et qu'en hiver, à nos latitudes, donc en hiver, ça veut dire en fait d'octobre à avril, c'est assez long, le soleil, on n'est pas assez exposé à la lumière du soleil pour pouvoir permettre à nos corps de produire cette vitamine. Et c'est une des carences les plus courantes dans la population française. Il y a énormément de gens qui ont cette carence, même si, ils mangent du poisson, etc., etc. Donc, j'encourage vraiment à la prendre également. Et par ailleurs, je dirais qu'il faut faire attention, mais ça, c'est encore une question d'équilibre qui se fait petit à petit, à trois nutriments particuliers qui sont le fer, le calcium et l'iode. Donc, le fer, on va le trouver, par exemple, dans le soja, on va le trouver dans les lentilles, on va le trouver dans les légumineuses, type les pois chiches, on va le trouver dans certains oléagineux, comme les graines de chia. Ou la levure maltée, c'est une bonne source également de fer. Et une petite astuce pour bien absorber ce fer, c'est de toujours le combiner à une source de vitamine C. Donc ça peut être du jus de citron, ça peut être des fruits crus, ça peut être des crudités, enfin des légumes. Et en général, ça permet au fer non héminique de devenir du fer héminique et d'être bien absorbé par le corps humain. Et d'ailleurs, très souvent, si votre médecin vous dit, principalement aux femmes, car c'est une carence qui est plus développée chez les femmes que chez les hommes, que vous manquez de fer et donc il faut consommer de la viande rouge, parce que la viande, c'est du fer héminique, qui est donc mieux absorbé par l'être humain. Il faut savoir que si vous cuisez cette viande, le fer héminique devient du fer non héminique et donc il sera aussi peu absorbé que n'importe quel autre fer d'origine végétale si vous ne l'additionnez pas de vitamine C. Donc, à moins que vous mangiez votre viande crue, et ça, c'est encore autre chose. Le calcium, on va en trouver, il y a beaucoup de sources de calcium dans les aliments d'origine végétale. Ça peut être le sésame, qui est très riche en calcium, les graines de chia, encore, j'adore les graines de chia, parce qu'il y a plein de trucs qui sont... Enfin, elles sont très riches nutritionnellement parlant. Les choux, toutes les variétés de choux sont le kale, le chou vert, tous les trucs feuillus, en fait, sont très riches en calcium. Les figues, le tofu, etc., etc. Généralement, les personnes véganes n'ont pas de problème à combler leurs besoins, mais dans tous les cas, il vaut mieux prévenir que guérir. Et enfin, le dernier nutriment auquel il faut faire attention, c'est l'iode. L'iode qui va créer des problèmes de thyroïde et qui était une carence qui était très courante auparavant parce qu'on trouve soit de l'iode dans le sel de mer, soit dans les produits de la mer. Et très souvent, dans les populations de montagne auparavant, au début du siècle en France, il y avait des carences en iode. D'ailleurs, c'est là d'où vient l'expression de crétin des Alpes, parce que ça générait apparemment des problèmes de développement également intellectuel chez les enfants. Et si bien que ce qui s'est passé en France, comme dans bon nombre de pays, c'est que maintenant, le sel est iodé artificiellement. Donc, il est supplémenté en iode, le sel, par exemple, la baleine, celui que vous achetez au supermarché. Donc, ici encore, c'est très facile de faire attention à cela, soit en consommant des sushis végétaux de temps en temps, soit en prenant du sel de table. Voilà. Et sinon, si vous êtes végane, je vous encourage par exemple à prendre la Veg One. C'est une vitamine, un supplément multivitaminique qui contient, il contient de la B12, de la D3 et de l'iode, et peut-être du sélénium aussi. C'est à prendre un par jour, c'est pas grand chose et c'est même donné gratuitement par la société végane en France pour les personnes qui sont dans le besoin. Alors bien sûr, quand on parle de ça, il y a toujours une levée de bouclier de gens qui disent « mais il faut supplémenter, c'est pas naturel ». Et effectivement, c'est pas naturel de supplémenter, mais ici encore, l'idée de nature, c'est pas un argument en soi. Il y a énormément de choses qui ne sont pas du tout naturelles que l'on fait et pourtant, on ne les remet jamais en cause. Par exemple, je suis en train de vous parler avec un micro ici, avec un pointeur, ce n'est pas du tout naturel. Quand vous prenez l'avion, ce n'est pas naturel. Avoir un téléphoné sur un téléphone portable, ce n'est pas naturel. Uriner dans les toilettes, ce n'est pas non plus naturel. Lire des livres, ce n'est pas naturel, etc., etc. Il y a énormément de choses qui ne sont pas naturelles et que l'on fait pour autant et qu'on ne remet jamais en question. Donc ici encore, on voit que la notion de nature est très relative quand on l'étend à d'autres domaines de la vie.
Et d'ailleurs, le fait que ce ne soit pas naturel, est-ce que c'est pour autant une mauvaise chose? Il y a énormément de maladies que les progrès de la science nous ont permis d'éradiquer. Et dans le cas de la vitamine B12, qui est vraiment l'argument souvent, l'objection clé contre le végétalisme ou le véganisme, c'est on peut juger justement que la découverte de la B12 synthétique, donc c'était en 1948 au lendemain de la guerre, est une excellente chose, puisqu'elle a permis en fait le végétalisme. Avant, on ne pouvait pas véritablement se passer entièrement de produits animaux parce qu'on pouvait développer une carence en B12. Grâce à cette découverte scientifique, on peut maintenant vivre sans exploiter d'animaux, sans causer de souffrance animale. Et ici, on voit vraiment qu'un progrès scientifique nous a permis un progrès moral sans pareil. Donc ça, c'était un petit peu pour les bases de l'équilibre alimentaire végétalien. Je sais que ça peut paraître effrayant quand on n'en a pas l'habitude, parce que c'est différent, et quand c'est différent, ça a l'air compliqué. Et pourtant, honnêtement, quand on commence à changer un petit peu le contenu de son assiette, ben on prend très rapidement des habitudes et les choses se font ensuite de manière très intuitive sans jamais réfléchir. Est-ce que j'ai pris assez de fer aujourd'hui? Combien j'ai pris de réserves en iode et blablabla. Je veux dire, ça devient, moi je n'y pense jamais et j'essaie juste de manger diversifié. Je dirais que je mange beaucoup plus même diversifié qu'auparavant. Avant, j'avais l'impression de manger toujours la même chose, du riz avec des haricots verts et je sais plus quoi. Enfin, c'était vraiment mes mêmes légumes de base qui revenaient, je faisais pas attention. Maintenant, je mange beaucoup plus diversifié, je fais toujours pas vraiment attention et j'ai un bon équilibre alimentaire. Je dirais que c'est juste de nouvelles habitudes à prendre et il faut pas trop s'en faire véritablement une montagne. Et si vous avez des questions là-dessus, j'ai tout un chapitre dans mon livre sur l'équilibre nutritionnel végétarien ou végétalien. Pour conclure cette longue conférence, j'aimerais insister peut-être sur deux à trois choses. Vous l'avez compris, le véganisme n'est pas une mode improbable ou une tendance fugace, comme les médias parfois aiment à le dépeindre. Mais il s'agit véritablement d'une question de société qui s'étend bien au-delà du simple contenu de notre assiette. Vous l'avez, j'espère, aussi compris que le véganisme implique finalement de revoir complètement notre rapport au monde. C'est un changement de perspective, c'est un changement de notre perception vis-à-vis des autres êtres sensibles qui peuplent cette planète. Et l'avantage énorme, je dirais, du véganisme, c'est qu'il donne également les armes pour opérer ce changement et changer véritablement la société en elle-même. Nous sommes loin, en ce sens, d'être démunis, puisque nous avons le pouvoir de changer les choses. Changer de société, je dirais, pour offrir aux animaux la considération à laquelle ils ont droit, n'est pas une utopie, puisque c'est un processus qui est ordinaire, qui est quotidien, que nous pouvons chacun et chacune réaliser, mettre en œuvre sans attendre dans notre quotidien. Car c'est tous les jours, c'est à chaque repas, c'est à chaque heure, je dirais, que nous pouvons changer les choses, que nous pouvons changer l'ordre établi, que nous pouvons véritablement remettre en question l'anthropocentrisme dominant et que nous pouvons nous battre vers une société plus juste. Bien sûr, tout ça donne un peu l'impression que cette possibilité est entièrement individuelle, que ça repose simplement sur les frêles épaules de chacun d'entre nous, et que c'est à nous seuls d'opérer ces changements dans notre vie quotidienne. D'une part, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que nous ne sommes pas seuls à agir. Nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir opérer ces changements de pratique et à vouloir opérer ces changements sociétaux, à aller dans la même direction et vouloir aller plus loin. Et d'autre part, le véganisme et le combat pour les droits des animaux ne reposent pas simplement sur nos seules épaules. Lutter pour la défense des animaux et par là même pour la défense plus largement de l'antispécisme, enfin pour lutter contre le spécisme, c'est aussi faire entendre notre voix, c'est aussi politiser le débat et le porter sur la sphère
institutionnelle et publique. Et c'est en ce sens, véritablement, que le véganisme est un mouvement social et politique, parce qu'il entend véritablement provoquer un changement, un changement de paradigme social et politique dans les rapports de force que nous entretenons avec d'autres êtres sensibles sur la planète. Et il est temps, je dirais, que les décideurs et décideuses politiques s'investissent dans la question, pas seulement que les entreprises prennent leurs responsabilités et que nous fassions des choix qui nous permettent de transformer la société politiquement, socialement et culturellement pour qu'enfin cesse l'exploitation animale et la destruction de notre environnement. Et si ces responsables en sont incapables, alors c'est à nous d'œuvrer pour refonder un système qui ne fasse plus passer le pouvoir et le profit devant la vie des animaux, la vie des êtres humains et la vie de la planète. Je vous remercie. Merci beaucoup. On va prendre quelques questions. J'ai parlé un peu plus longtemps que prévu. Oui, mais bon, on a quand même un petit peu de temps pour quelques questions s'il y en a dans le public. Oui, monsieur, bonsoir. Je suis arrivé un peu en retard, mais je voulais avoir ce qui m'intéresse, c'est la vitamine B12. Où on peut la trouver, cette vitamine B12? Soit dans les produits d'origine animale, type... Justement, on ne peut pas manger d'animaux. Les abats, etc. On ne la trouve pas dans les végétaux. Les végétaux ne sont pas une source suffisante de vitamine B12. Donc, ce que je disais, c'est qu'il faut se supplémenter en vitamine B12. Ça s'achète dans le commerce, dans les pharmacies? Oui, en pharmacie, en pharmacie, en magasin bio. Et je disais juste avant que la société végane peut même en donner gratuitement si vous êtes dans le besoin. Ah bon? Voilà. D'accord. Donc, ça, c'est vraiment une vitamine facile à trouver. D'accord. Ma question a fait justement écho à celle-ci. Du coup, comment on la fabrique, cette vitamine? Elle est produite synthétiquement. Ok. Et c'est une vitamine, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que, en fait, la plupart des animaux que nous mangeons sont eux-mêmes supplémentés en vitamine B12, parce que c'est une vitamine qui est utilisée dans l'industrie de la viande comme facteur de croissance. Ça permet davantage aux animaux de se développer et de faire plus de viande. Et donc, finalement, que nous mangions ou non des animaux, nous sommes indirectement ou directement supplémentés en vitamine B12. Ok, merci beaucoup. Bonsoir. Je vais sans doute être un petit peu à part par rapport au public, puisque au début de l'exposé, vous avez demandé qui était végétarien, végétalien. Alors, pour ce qui me concerne, que les choses soient claires, je mange le moins de viande possible. Et donc, depuis qu'il y a ce courant qui est très bien, à Noël, je ne vais pas manger de foie gras. Si je prends un sandwich, je ne vais pas mettre de beurre dedans, etc. Super. Donc, voilà. Par contre, pour ce qui concerne votre exposé, j'ai un petit peu l'impression d'avoir été dans une chapelle, d'avoir entendu une messe. Je m'étonne qu'un centre, comme le centre Pompidou, où nous sommes, n'ait pas mis quelqu'un, ou à la place de votre ordinateur, c'est un scientifique qu'il faut mettre. Il aurait fallu mettre une espèce de sonnette comme dans les jeux télévisés. À chaque fois qu'il y a une boulette scientifique, on appuie en disant « Coucou, là, c'est n'importe quoi ». Vous donnez une avalanche de chiffres. Vous nous gavez, si je reprends, de chiffres. 46%, 0%, etc. Il n'y a pas une courbe. Il n'y a pas un écart type. Un document sur deux et sans référence. Quand il y a des références, c'est Foodwatch, c'est-à-dire des trucs déjà traités. Donc, je vais en rester là. Vous me faites peur sur la forme, parce que vous avez un propos qui est bien rodé. Le problème des protéines, ce n'est pas les protéines qui manquent. Vous pouvez donner les pourcentages que vous voulez. C'est le problème des trois acides aminés qu'on trouve dans les végétaux sans aucun souci. La lysine et la méthionine. Bon. Sont tout à fait trouvables dans les sources végétales. On peut les mettre dans le tofu, mais ils ne sont pas nets. Ah, si, bon, complètement, écoutez, dans les légumineuses et les céréales. On va revoir la physiologie, mais bon, en physiologie, l'absorption du fer, c'est n'importe quoi ce que vous racontez. Okay. Le réflexe de Pavlov, c'est n'importe quoi.
J'avais pris des... Moi, je vais un petit peu vous répondre. Je vais vous répondre parce que vous êtes allé vraiment dans l'avalanche de propos assez calomnieux. Il y a un truc que je ne vous ai pas dit. Je vais voir ce que vous voulez me répondre. Allez-y. D'une part, le scientifique ou la scientifique ici, c'est moi, je suis docteur, tout de même. Ça. Vous passez un concours. Vous pouvez me laisser parler, oui, merci. Je vous ai laissé parler entièrement. Attendez, donc maintenant, j'aimerais parler moi aussi. Le sécum, quand vous dites les souris mangent des crottes, c'est pas des crottes, c'est des crottes de nuit. J'ai dit que les lapins mangeaient leurs propres crottes. C'est d'ailleurs ainsi qu'ils permettent de synthétiser la B12. C'est des rongeurs. Ils ont un gros sécum. Nous, il est réduit, c'est l'appendice. Oui, on n'a pas le même. Bon, vous parlez à un moment donné, j'ai pas compris, tribunal, un bébé, vous parlez de la douleur des poissons. Enfin, c'est tout et n'importe quoi, je regrette. Bon, alors, je vais reprendre les choses. Je sais que ce n'est pas un argument d'autorité, mais je suis tout de même... Je finis et je vous laisse la parole. Il y avait des arguments, par exemple, sur les Homo erectus, le Néandertal et compagnie. On pourrait voir. Il n'y en a eu aucun. Comment ils sont débrouillés. Je n'ai pas mentionné le Néandertal. Non, mais malheureusement. Voilà, alors je vous écoute. Donc, d'une part, si vous voulez des références scientifiques, je vous enjoins à lire mon livre. Il y a 500 références à peu près dans le livre. Il s'agit ici... Vous pouvez l'emprunter à la bibliothèque. Je crois qu'il y a la bibliothèque ici, donc c'est parfait. D'autre part, il s'agit d'une conférence grand public sur un sujet qui est extrêmement vaste, dans lequel j'essaye de couvrir un maximum de thématiques. Bien souvent, malheureusement, en une heure, on n'a pas le temps de tout traiter en profondeur. Et c'est pour ça que j'ai écrit 500 pages là-dessus. Excusez-moi, si vous êtes calomnieux comme cela, je crois que ça ne sert à rien, en fait, honnêtement. Non, mais moi, c'est l'impression que j'ai. Oui. Tout ce que je veux dire, c'est qu'au niveau de la démarche scientifique, je crois qu'on ne peut pas spécialement me critiquer là-dessus parce que j'ai l'expérience qui me permet de vérifier mes sources et d'utiliser des sources primaires quand cela est nécessaire. Merci. Si vous voulez passer. Prenez mon bouquin. Oui, une autre question. Bonsoir. J'ai été végétarien pendant un an et puis... Vous avez été quoi, pardon ? J'ai été végétarien pendant... Pas végétarien, on va dire... végétarien pendant un an. Je mangeais plus de viande. Puis après un an, je me suis remis un petit peu une fois par semaine dans des repas familiaux à manger donc de la viande, du poisson que j'ai jamais banni poisson. Je voulais savoir si vous prenez pour une abolition totale de la consommation de la viande ou pour une modération. C'est-à-dire, moi, aujourd'hui, je consomme de la viande de manière très modérée et très réfléchie, dans le sens où je réfléchis à ce que je vais acheter. Si ce n'est pas de la production animale, par exemple, il faut que ce soit bio, il faut que ce soit ci, il faut que ce soit élevé. Et dans les rares occasions où j'en mange, c'est dans les repas familiaux ou bien une fois par semaine, allez, j'ai une petite escalope de poulet ou... machin, bon, la viande de bœuf, j'en mange plus. Mais vous prenez plus une abolition de la consommation totale. Pas de la modération réfléchie, c'est-à-dire une consommation réfléchie. Alors, il y a plusieurs raisons, en fait, peut-être. Il y a plusieurs choses ici à dire. D'une part, j'aimerais vous demander, donc, quand vous dites que vous faites attention à l'origine de votre viande, est-ce que quand vous allez dîner chez des amis ou quand vous achetez un sandwich quelque part ou autre, est-ce que vous avez la même rigueur dans la provenance de votre viande ? Est-ce que si, par exemple, les lasagnes chez vos amis sont à la viande, est-ce que si ce n'est pas bio, vous allez en manger ? Quand je suis invité, non. Voilà, et souvent, on se rend compte... Si je vais en acheter rarement, oui, il faut absolument que ce soit... que ça vienne pas de la production animale comme on la voit aujourd'hui dans les alors il y a plusieurs dans, y a plusieurs ce qu'on peut remarquer c'est qu'en général effectivement cela impose un peu moins de constance peut-être par rapport aux achats et à la consommation que l'on va faire puisqu'on va faire bien plus facilement des exceptions que si on décide de ne pas de consommer de viande tout court. Sur le plan environnemental, on a vu que l'élevage extensif est rarement une solution en termes de gaz à effet de serre, donc, parce que c'est souvent une des solutions qui est préconisée. On voit qu'environnementalement parlant, ça ne se tient pas forcément très, très bien. Et puis, comme je l'ai dit tout au long de mon exposé, en termes éthiques,
On tue des animaux qui sont jeunes, qui ont toute une vie encore devant eux, et souvent qu'on va avoir maltraité d'une manière ou d'une autre avant de les tuer, qu'on soit dans du bio par exemple ou non. Donc sur un plan éthique, étant donné que je considère la vie des individus animaux avec respect et que je n'ai pas envie ni de leur causer de maltraitance ni d'aller contre leurs intérêts, effectivement, je prône un respect total de cette vie animale et un respect du droit à vivre des animaux. Alors, juste par rapport, une dernière question par rapport à ça. Est-ce que vous êtes sensibilisé, par exemple, par les animaux qui chassent pour se nourrir ? Oui, c'était... Vous êtes arrivé un petit peu en retard, non, dans l'exposé ? Désolée. C'était une des premières objections que j'ai soulevées justement au début de mon exposé pour dire que finalement on prend très souvent cet exemple des animaux qui se mangent entre eux, mais le problème de cet exemple, c'est que il est très difficile. Il y a beaucoup de choses qui sont faites dans la nature que on ne reproduirait moralement pas du tout, pas le moins du monde dans notre vie quotidienne, sur lesquelles on ne fonderait pas. D'ordre de justification morale. Et puis, d'autre part, cette question de la prédation, c'est aussi une question de choix. À l'heure actuelle, les animaux qui chassent pour se nourrir n'ont pas d'autre choix. Le lion, il ne va pas manger, à l'heure actuelle, de la pelouse pour pouvoir subvenir à ses besoins. La grande différence, c'est que dans nos sociétés occidentales actuelles, nous sommes de plus en plus nombreux à avoir ce choix, à avoir cette possibilité. Et ce qui, auparavant, et encore dans certains endroits du monde, est considéré comme une nécessité, ne l'est plus forcément dans notre cas. Donc pourquoi ne pas faire ce choix et épargner la vie de nombreux animaux ? Alors, il y a peut-être d'autres personnes qui ont d'autres questions qui voulaient. Je crois que j'avais aperçu quelqu'un ici. Peut-être pour l'intérêt de l'assistance qui a assisté, qui a écouté tout ce que j'ai dit précédemment, je vais peut-être pas me répéter sur ce dont j'ai déjà parlé. Oui, pardon. Bonsoir. Si l'on devient tous véganes, que fait-on des animaux ? Ils vont tous nous envahir. Là, ici, on peut dire que c'est une question un peu d'offre et de demande. À l'heure actuelle, il y a une très forte demande pour les produits animaux, que ce soit les animaux ou les produits d'origine animale. Et donc, l'offre suit cette demande. Et tout simplement, on crée donc énormément d'animaux qui sont les vaches sont inséminées pour créer des veaux, etc., pour nous nourrir. Tout simplement, on arrêtera de les inséminer artificiellement et on arrêtera de créer artificiellement tous ces animaux. Donc, petit à petit, on peut imaginer... En logique, il y aura une régulation et que les animaux restants seront pris en charge par des sanctuaires d'animaux, par exemple. Vous n'imaginez pas, enfin, il existe encore des petits exploitants agricoles qui élèvent leurs moutons, c'est nécessaire aussi que leurs moutons soient tondus. C'est ce que je disais sur l'exemple des moutons, c'est qu'effectivement, pour le respect de l'animal, je pense qu'un mouton qui a trop de laine doit être tondu quand même. Dans ce cas-là, je parle à dimension petite exploitation. Oui, mais alors il faut distinguer une chose, c'est que est-ce qu'on va tondre cette laine en vue d'en faire des profits et donc on va élever continuellement des moutons pour le bien-être de l'animal. Si, je pense qu'il faut qu'il soit tondu. De la même manière que si vous avez un chien, vous allez le laver, vous allez lui couper les poils à un moment, mais vous n'allez pas forcément élever cet animal pour ses poils, etc. Mais la tonte, c'est une pratique quand même ancestrale pour des petites exploitations. Des petites exploitations agricoles. Alors, c'est nécessaire pour le bien-être animal. Je viens d'une petite exploitation agricole, donc j'ai un autre point de vue des choses. Alors, un exemple qui pourrait être... C'est d'ailleurs un exemple qui est souvent repris par les auteurs du livre Zoopolis, qui sont deux philosophes et qui imaginent véritablement une société où on n'exploiterait plus les animaux. Et ils disent qu'effectivement, pour le bien-être animal, on pourrait, il serait bien de tondre la laine des animaux qui en auraient besoin. Et dans ce cas-là, avec l'argent, peut-être, qui va être
auquel on va aboutir par la vente de cette laine, investir dans de meilleures conditions de vie pour ces animaux, dans des enclos, etc. etc. Donc l'idée ici n'est plus de faire du profit, mais de se préoccuper entièrement du bien-être de ces animaux. Voilà, je voulais juste mettre l'accent là-dessus. C'est et de vivre en animal, en communauté s'il est avec eux. À certaines dimensions, c'est nécessaire. Bonsoir Ophélie, bah, merci déjà d'avoir pris le temps de mettre en place cette conférence, c'est très très intéressant. Et moi j'avais une question un peu pour rebondir à ce que disait la personne précédente, en ce qui concerne le fait d'avoir un animal de compagnie. Qu'est-ce que vous en pensez, dans le sens où là c'est basé sur le bien-être de l'animal sans exploitation enfin, selon ce que je pense. Il y a plusieurs perspectives je dirais là-dessus. Et de manière au niveau de la question de l'abolition des animaux, il y a une perspective qu'on appelle extinctionniste, qui consiste à dire que on va continuer à, par exemple, à adopter les animaux de compagnie qui en ont besoin. Je crois qu'enfin, au niveau des chiffres d'abandon de chats, de chiens ou d'animaux domestiques, c'est très important. Donc, on va véritablement les secourir et leur apporter la meilleure fin de vie possible, mais qu'on va essayer de faire en sorte que ces animaux ne se reproduisent plus continuellement et ne se soient plus dans ces situations-là. Donc, ça, c'est une perspective donc extinctionniste. La perspective qui, par exemple, est prônée par les auteurs de Zoopolis, c'est une perspective coopérationniste qui consiste à dire que ça ne pose pas de souci qu'il y ait des animaux domestiques et qui va véritablement réfléchir en termes de comment développer les meilleures relations possibles avec ces animaux. Personnellement, je ne pense pas que recueillir des animaux qui seraient voués à la mort après un abandon et de l'exploitation animale. Alors certes, ils vont avoir un espace restreint. Certes, on va avoir une action humaine, notamment sur leur sexualité, très souvent en les castrant ou les stérilisant. Mais je pense qu'on peut leur apporter un bien-être pour leur fin de vie dont ils n'auraient pas bénéficié si on n'avait pas été là. Et que cela permet d'ailleurs de garder véritablement une relation, des interactions sociales quotidiennes avec les animaux. Parce que souvent, de manière plus générale, on a du mal à se rendre compte de qui sont les animaux, on a du mal à les connaître. Et c'est pour cela que quand on a un steak dans notre assiette, on ne se rend pas compte que derrière, il y avait un être vivant, il y avait une vache, c'était un individu qui avait peut-être une personnalité particulière, qui avait des pratiques particulières, de la même manière que notre chien ou notre chat est un individu à part entière. Et donc, le fait de côtoyer peut-être des animaux au quotidien, que ce soit des chats, des chiens, mais plus largement des moutons, des vaches, etc., dans les sanctuaires d'animaux, par exemple, pour moi, est peut-être une pratique véritablement bénéfique pour apprendre à les connaître et apprendre à mieux les respecter. Voilà. Merci. Bon, merci beaucoup pour cette conférence. Quelles seraient, à votre avis, les actions qu'on pourrait mener à niveau personnel pour encourager à des gens dans notre entourage, conjoints, des amis, famille, pour les encourager à faire des pas vers le véganisme? Alors c'est un sujet compliqué et vaste. Je le traite beaucoup dans mon livre parce que justement, moi-même, ça n'a pas été très simple avec ma propre famille. Et je n'ai pas convaincu ma famille. J'ai convaincu beaucoup d'amis, beaucoup de personnes, mais pas ma famille, malheureusement. Mais je dirais que ce qu'il faut, c'est informer, éduquer, avec respect, en n'oubliant jamais d'où est-ce qu'on est passé. La plupart d'entre nous ne sommes pas nés végétariennes ou véganes. C'est difficile, c'est un changement de perception, un changement de perspective qui n'est pas évident et qui doit venir de soi. Mais je dirais qu'il y a plein de manières déjà d'aller plus loin, de les pousser à aller plus loin, que ce soit par leur consommation, que ce soit donc leur consommation alimentaire, mais leur consommation plus générale. Il y a des personnes, par exemple, qui continuent de manger à l'heure actuelle des produits animaux, mais qui essayent au moins
d'acheter des produits qui ne sont pas testés sur les animaux, qui font attention voilà, à prendre des produits cruelty-free pour leur maquillage ou autre. C'est déjà un pas et il faut l'encourager. Ensuite, je dirais ce qu'il faut véritablement encourager, c'est le respect des animaux et c'est la prise de conscience à la fois individuelle et collective. Donc souvent, malheureusement, pas souvent, mais malheureusement, on voit ces comportements de personnes véganes qui sont assez intransigeantes vis-à-vis des non-véganes et qui vont, par exemple, pointer du doigt une personne qui porte encore une veste en cuir et qui ose se prétendre se soucier des animaux. Je pense que c'est vraiment... Enfin, je comprends pourquoi ces personnes font comme cela, mais je pense que c'est complètement contre-productif, qu'il faut adopter véritablement une... Il faut encourager au maximum les gens, et ce n'est pas grave, on n'a pas tous été complètement cohérents avec nous-mêmes, on n'a pas tous... À certains moments de notre vie, on ne pousse pas la logique forcément jusqu'au bout ou autre. Et ce n'est pas grave, parce que ce qui compte, c'est déjà d'aller plus loin. Et c'est petit à petit que cette prise de conscience va se faire. Et que ce n'est pas seulement, comme je le disais, aux individus de faire changer les choses, mais c'est aussi plus largement au niveau collectif, au niveau politique, au niveau institutionnel, de changer cette perspective et de changer véritablement notre rapport aux animaux. Il y a des hauts et des bas, mais malheureusement, tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de continuer en tant qu'individu nous-mêmes à faire pression sur nos décideurs pour aller plus loin. Encore une petite question. J'aurais voulu savoir, on a un parti politique qui se dit écologique. Tout ça. Qu'est-ce que la France, en tout cas, fait dans le droit international ou quoi que ce soit pour tout ce qui est du massacre des mammifères marins, des 70 millions de requins qui sont massacrés dans les océans pour leur couper les ailerons, qui sont rejetés vivants dans la mer, des massacres de dauphins, de baleines, mais à échelle juste gigantesque, quoi. C'est carrément du génocide. Qu'est-ce que ces partis écologiques disent ? Qu'est-ce qu'ils font, à part parler d'autres choses qui... Alors, voilà. Les partis, ouais, je dirais que les mouvements écologiques ou les associations de défense de l'environnement vont justement peut-être avoir davantage tendance à se soucier du sort des animaux sauvages, par exemple des baleines ou des dauphins, plus que du sort des animaux domestiques, enfin des animaux qui sont élevés pour nous nourrir. Donc, il y a peut-être déjà un peu plus de choses qui est fait là-dessus pour tous les animaux en voie d'extinction ou autre, parce qu'on les prend pour des symboles. Plus, je dirais, que pour les animaux que l'on mange. Donc, c'est un peu déjà un paradoxe de ces mouvements. Et d'autre part, je dirais de manière plus vaste, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, le fait de ne pas manger d'animaux, le fait, si on arrêtait l'élevage, on aurait vraiment... au niveau environnemental, ce serait un très grand pas. Et ça, il y a de plus en plus de personnalités publiques qui le disent. Il y a de plus en plus de rapports officiels, que ce soit la FAO, que ce soit les Nations Unies qui le disent, qu'il faut diminuer absolument sa consommation de viande, voire l'arrêter. Récemment, il y a une étude à l'Université d'Oxford qui est sortie, qui a montré combien, environnementalement parlant, on pourrait aller extrêmement loin si on supprimait déjà 90% à peu près de sa consommation de viande et de produits animaux. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement, les partis écologiques classiques, que ce soit en France ou ailleurs, parlent extrêmement peu de ce sujet. Souvent, il y a plusieurs raisons à cela. Il y a le poids des lobbies, que ce soit les poids de lobbies de l'agroalimentaire, mais aussi du lobby des chasseurs, par exemple, qui est très important en France. Il faut savoir qu'il y a à peu près autant de chasseurs que de personnes végétariennes ou véganes en France, mais qu'ils ont un groupe parlementaire à l'Assemblée qui est vraiment important, alors qu'il n'y a pas de groupe parlementaire du tout des végétariens ou véganes, parce que en termes électoraux et en termes financiers, derrière, il y a véritablement des barrières pour qui feraient que ces partis parlent davantage de cela. Alors ça, je dirais que, enfin, malheureusement, on en parle, mais que les intérêts financiers sont extrêmement élevés derrière. Le massacre des requins, c'est on prend juste leur aileron et après on remet les requins
Oui, non, mais c'est absolument énorme, je sais bien. Et que les intérêts financiers semblent tels derrière qu'il y a peu de voix qui osent s'élever contre cela. Et qui plus est, quand ça va être des pays qui vont revendiquer, par exemple, le Japon pour le massacre des dauphins dans une baie, c'est une pratique qui est culturelle, qui se fait une fois par an. Et il y a toute une idée de tradition culturelle qui y est associée et qui rend les choses encore plus difficiles. Donc tout ce qu'on peut espérer, tout ce qu'on peut faire, c'est de se battre au fur et à mesure pour que ces choses soient de plus en plus, combattues et que les gens sachent. Je pense que vraiment l'information est clé. La plupart des gens ne savent pas en fait tout cela. Sur le requin, c'est très clair. Les gens ont juste peur d'être mangés par les requins parce que dans l'imaginaire collectif, il y a eu le film Les Dents de la Mer qui est sorti, qui a bouleversé notre rapport aux requins et on pense que c'est un prédateur qui va nous manger alors qu'en fait, nous, on tue bien plus de requins que l'inverse. Je crois que c'est 2-3 personnes qui meurent par an d'attaques de requins alors qu'on est sur des millions et des millions de morts de l'autre côté. Donc je pense que c'est important de faire passer l'information pour changer de perspective, pour changer de regard sur les choses et pour permettre au maximum de gens d'avoir le plus d'armes pour agir aussi à leur échelle. Eh bien, merci Ophélie et merci à vous tous pour cette soirée. Merci.